Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouveau séminaire relatif à l'écosystème de la propriété intellectuelle. Nous avons le plaisir ce soir d'accueillir deux invités de marque, Monsieur le député Christophe Blanchet et Madame Delphine Sarfati. Monsieur le député Blanchet est député de la 4e circonscription du Calvados ainsi que conseiller municipal de la commune de Merville-Franceville. Madame Delphine Sarfati est une figure incontournable de l'écosystème de la propriété intellectuelle en sa qualité de directrice générale de l'Union des fabricants, qui est une association de défense et de promotion des droits de la propriété intellectuelle et qui regroupe aujourd'hui 200 entreprises issues de tous les secteurs d'activité. Ils interviendront tous deux sur l'épineuse question de la lutte contre la contrefaçon. Le titre retenu parle de lui-même, La contrefaçon, comment faire face à l'explosion. Ce séminaire sera ainsi l'occasion de revenir sur la communication de la Cour des comptes présentée le 3 mars 2020 et plus particulièrement sur le rapport d'information de messieurs les députés Blanchet et Bournazel sur l'évaluation de la lutte contre la contrefaçon. Ce rapport de plus de 100 pages dresse un constat glaçant, mais surtout n'hésite pas à faire un certain nombre de propositions afin de lutter plus efficacement contre la contrefaçon. Je n'en dirai pas plus afin d'éviter toute forme de spoiler. Quoi qu'il en soit, permettez-moi, avant de vous céder la parole, Monsieur le député, Madame la Directrice Générale, de vous remercier chaleureusement d'avoir accepté notre invitation et d'avoir permis l'organisation de ce séminaire. Merci beaucoup, Yann Bazir, de cette introduction sympathique et efficace. Nous nous sommes organisés avec Monsieur le député Blanchet de manière à ce que je prenne la parole dans un premier temps pour planter un petit peu le décor de l'évolution de la contrefaçon et indiquer quelles sont nos futures échéances. Puis je lui passerai la parole pour qu'il puisse vous détailler le rapport, les conclusions de son rapport qui est tout à fait admirable en termes de propositions. Je vais essayer de partager mon écran de manière à ce que vous puissiez. Est-ce que vous voyez mon écran? Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire si vous voyez mon écran? Yann, j'entends pas. En fait, je C'est n'entends bon, personne. C'est c'est bon, bon, c'est bon, génial. c'est bon, ça marche. Alors, l'idée, voilà, est de j'ai quelques slides, pas beaucoup, surtout pour illustrer mon propos. Tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas l'Union des fabricants, donc l'Unifab, on est une association assez ancienne, la doyenne des associations de lutte anti-contrefaçon, puisqu'on a été créée en 1872, très vite reconnue d'utilité d'intérêt public. Et puis, on a participé à un certain nombre d'arrangements, de conventions et de textes, notamment, et des accords à travers le monde, en France et au niveau européen. On a participé aussi à la création de l'INPI, puisqu'en fait, l'UNIFAB, c'est l'ancêtre de l'INPI, puisque auparavant, on enregistrait ces marques à l'Union des fabricants. Je vais tout de suite m'arrêter sur le point d'un point de vue historique pour vous parler de l'UNIFAB aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes 200 membres, tous secteurs d'activité confondus, à peu près 80% d'entreprises françaises, 20% d'entreprises étrangères, et on représente un chiffre d'affaires cumulé d'environ 1 450 milliards d'euros, ce qui est quand même une somme considérable. Et je tiens vraiment à dire que ce qu'il y a d'intéressant à l'UNIFAB, c'est qu'on puisse justement représenter tous ces secteurs d'activité, car les contrefaçons s'attaquent à tous les secteurs d'activité, notamment les biens de consommation courante en premier. Quelques chiffres, notamment sur, par exemple, la saisie des douanes, les saisies des douanes qui ont atteint les 5 millions 600 000 produits cette année, on a eu plus de 20%, avec des produits très diversifiés. Les jeux, les jouets, les articles de sport sont très bien placés dans le classement. Les produits de soins corporels aussi, mais les médicaments, comme vous pouvez le voir, et tout ce qui est équipement électrique. Pour mémoire, pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité, les douanes françaises ont saisi plus de 300 000 masques, faux masques, pour lutter contre la COVID l'an dernier, ce qui est considérable. En termes de conséquences économiques, la contrefaçon, c'est 3,3% du commerce mondial. En France, une entreprise sur deux dit souffrir de contrefaçon. Et c'est 7 milliards de pertes par an pour l'économie française.
En termes d'importation de contrefaçon, les importations de contrefaçon représentent plus de 120 milliards d'euros, ce qui est aussi un chiffre considérable. Pour les entreprises, c'est très compliqué, vous l'imaginez, à gérer, parce que le problème de la contrefaçon, c'est que c'est très pernicieux, c'est-à-dire que on est attaqué sans le savoir, il faut surveiller le marché pour voir s'il y a des produits de contrefaçon qui inondent son propre marché. En France, on sait que 20% des entreprises perdent jusqu'à 10% de leur chiffre d'affaires. Donc, c'est quand même énorme. Et dans certains secteurs, c'est beaucoup plus, hein. Par exemple, les logiciels, on sait que, en gros, c'est à peu près 3 logiciels sur 10 qui sont volés, malheureusement, dont les recettes, les investissements ne vont pas à leur créateur. C'est comme si, en fait, à la sortie d'une usine de fabrication de voitures, on avait 3 voitures sur 10 qui étaient volées, en fait. Ça fait un peu ça, hein, si on transpose au niveau digital, du digital au monde réel. Bon, un tiers des entreprises dépensent plus d'un million d'euros par an pour lutter contre la contrefaçon. Donc, vous imaginez bien que c'est quand même des investissements très importants pour lutter contre ce fléau et que pour les PME et les TPE, c'est extrêmement compliqué d'en venir à bout. Et puis, 57% d'entre elles déclarent que cela porte atteinte au recrutement et une sur deux que cela restreint la recherche et le développement. Donc, pour les industriels, vous l'aurez compris, diminution de rentabilité sur les investissements. Certains n'arrivent pas du tout à faire des retours sur investissement intéressants et donc ça met en danger leur entreprise. Une atteinte à l'image de marque. Il faut être très clair, hein, lorsque vous voyez des contrefaçons qui inondent le marché, qui ne sont pas de bonne qualité, bah, vous vous tournez vers d'autres produits. Vous, demain, si vous achetez des brosses à dents de mauvaise qualité que vous pensez être d'une marque, il est évident que vous irez la fois d'après acheter une autre marque de brosses à dents pour éviter la contrefaçon. Et puis, il y a quand même un risque de désorganisation des réseaux de distribution, puisque la contrefaçon maintenant est tenue aux mains de criminels extrêmement avertis et s'infiltre dans les réseaux de distribution classiques. Bien sûr, le chiffre d'affaires, je ne vous en parle pas plus puisque j'ai abordé le sujet tout à l'heure et je sais que le temps m'est compté. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous dresser un tableau général. Au niveau des conséquences pour les consommateurs, elles sont multiples. Santé, sécurité, les produits ne respectent aucune norme. Il y a des dangers, évidemment, lorsqu'on achète des contrefaçons, des dangers qui sont aussi pour l'environnement. Les fausses piles sont 8 fois plus chargées en mercure que les vraies piles, par exemple. 37% des consommateurs qui ont déjà acheté de la contrefaçon pensaient acheter du vrai sur Internet. Donc, vous imaginez bien. Et quand on parle des jeunes, c'est-à-dire des moins de 20, des 15-25 ans, on est à 45%, études IFOP. Internet, maintenant, c'est vraiment le vecteur le plus important de vente de contrefaçon, ex aequo avec la vente à la sauvette, parce qu'on trouve maintenant de tout, puisque de toute façon, on consomme tous beaucoup sur Internet et heureusement parce que dans certaines périodes, comme on l'a vécu ces derniers mois, c'est nécessaire, mais il faut vraiment faire attention à ce qu'on achète. Il faut savoir qu'on a mené des campagnes, là vous avez un exemple de campagne la contrefaçon solidaire contre la contrefaçon et le piratage. Il faut savoir que les consommateurs sont sensibles en termes de messages aux risques sur la santé et aussi aux sanctions. C'est vraiment les deux messages qui fonctionnent en termes de communication. Au niveau des enjeux, il faut savoir que l'évolution des profils de contrefacteurs a vraiment évolué. Aujourd'hui, on n'est plus derrière la maman napolitaine qui fait son sac dans son atelier de fond de cours en Italie en écoutant de l'opéra et entre deux plats de pâtes. C'est plus du tout ça. Cette image fort sympathique d'ailleurs qui a fait les beaux jours de la contrefaçon ne correspond plus du tout à la réalité. Aujourd'hui, la contrefaçon, ce sont des usines, des réseaux extrêmement organisés, criminels qui, en plus de la contrefaçon, ont des activités en vendant des fausses armes, faisant de la prostitution, en vendant de la drogue. Voilà. C'est ça les réseaux de contrefaçon aujourd'hui. Et on l'a bien vu d'ailleurs l'année dernière, puisque
toutes les usines de contrefaçon qui faisaient des produits cosmétiques, des vêtements, etc., se sont tout de suite reconverties en faisant des produits anti-pandémie, des faux produits anti-pandémie, hein, je tiens à le dire, des faux masques, des faux gels, des fausses surblouses, des fausses charlottes. Voilà, on a vu ça et ça a été impressionnant. En l'espace d'un mois, ils sont arrivés à inonder tous les marchés. Donc, une grosse professionnalisation des réseaux et il y a un besoin extrêmement important de pouvoir échanger entre les autorités nationales et européennes pour mieux contrer ces réseaux de contrefacteurs, d'une part. D'autre part, il faut aussi continuer les campagnes de sensibilisation pour les consommateurs et aussi informer les entreprises parce que les TPE, PME jusqu'aux ETI sont parfois démunies face à la contrefaçon dans la mesure où elles n'ont pas de service juridique dédié. C'est souvent le chef d'entreprise qui joue en même temps le rôle de conseil en propriété industrielle, parfois de juriste, et ce n'est pas du tout évident pour ces entreprises. Le digital, comme je vous l'ai dit, a énormément amplifié ce phénomène. En tout cas, nous prenons à l'Unifab quelque chose d'extrêmement important qui est ce que nous, notre position vis-à-vis de la France, mais également vis-à-vis de l'Europe, où il y a un texte, le Digital Service Act, dont je vous reparlerai un tout petit peu tout à l'heure, qui est actuellement en discussion. Vraiment, nous pensons, les entreprises et également les autorités publiques françaises, que ce qui est illégal hors ligne doit l'être également en ligne. Il n'est pas normal qu'un magasin ayant pignon sur rue ne puisse pas vendre de contrefaçon, alors qu'une plateforme en ligne ou un site entre particuliers puisse vendre de la contrefaçon. C'est complètement aberrant, en fait. C'est juste du bon sens, hein. Nous, on demande juste que la même chose soit appliquée en ligne et hors ligne. Donc, soit on autorise tout le monde, et alors là, excusez-moi l'expression, mais c'est vraiment la fête pour tout le monde, soit à ce moment-là, on respecte la loi, on respecte aussi les investissements des entreprises, la création, l'innovation, et à ce moment-là, c'est interdit aussi en ligne. Donc ça, c'est extrêmement, extrêmement important. Comme je vous le disais, au niveau des PME, il y a un besoin d'accompagnement qui est extrêmement important. On fait ce qu'on peut à l'Unifab, mais il y aurait vraiment besoin de pouvoir avoir des organes, un organe qui puisse accompagner les PME dès le début. Ça pourrait être les chambres de commerce, par exemple, hein, qui, lorsqu'on vient enregistrer son entreprise, puisse délivrer une information, mais ça pourrait être aussi d'autres organisations. Au niveau des actualités législatives en France qui sont importantes, on a bien sûr le projet de loi DADU qui concerne l'adaptation du droit de l'Union européenne en matière économique et financière. Ça a été extrêmement important parce que ça a permis d'étendre les pouvoirs d'investigation de la DGCCRF en cas d'infraction en matière de protection des consommateurs sur Internet. Et donc ça, c'est un vrai pas en avant. Il y a le projet de loi sur les principes de la République qui va permettre de pouvoir agir sur les contenus illégaux en ligne et les sites miroirs. Bien sûr, le rapport des députés Blanchet et Bournazel que nous soutenons haut et fort, et j'en profite encore pour remercier le député Blanchet de son investissement sur ce sujet. Et puis, il y a également plus récemment le projet de loi concernant la lutte contre le dérèglement climatique qui aborde le sujet, notamment il y a eu un article, l'article 12, qui visait à la mise en place d'une consigne pour les bouteilles en verre, et ça risquait d'accroître en fait la contrefaçon en standardisant les bouteilles, notamment les bouteilles de vin et spiritueux. Qui n'ont pas les mêmes formes. Hein. Vous prenez une bouteille de Cointreau et une bouteille de Grand Marnier, par exemple, elles n'ont pas du tout la même forme. Les deux sont aussi bonnes sur les crêpes, mais il faut savoir que c'est compliqué si on demande à standardiser parce que, très clairement, on les reconnaît à leur forme aussi. Et c'est un droit. Il ne faut pas toucher au droit et c'est un droit de dessin et modèle. Et on a considéré que toucher à ce droit, c'était mettre un doigt dans un engrenage qui pouvait ensuite devenir dangereux. Au niveau de l'Europe, comme je vous le disais, il y a le Digital Service Act qui est actuellement en discussion à Bruxelles. On espère qu'il passera sous la présidence française à partir du mois de janvier prochain. C'est vraiment un vœu pieux parce que la France a une position
très ambitieuse vis-à-vis du Digital Service Act. Alors, je vais pas vous indiquer tous les points qui nous posent souci, mais sachez quand même que la ligne qui consiste à dire que les plateformes ne peuvent pas être responsables de tout ne convient pas, ne nous conviendra jamais et on se battra jusqu'au bout pour les rendre responsables, car il n'est pas normal qu'elles permettent ou qu'elles facilitent la vente de produits illicites en Europe au détriment des consommateurs, au détriment des entreprises et au détriment aussi des États, puisque aucune fiscalité n'est perçue sur ces produits. Et puis, il y a aussi les priorités MPAC du cycle politique 2022-2025. C'est ce qui permettra d'ajouter aux priorités Europol, la contrefaçon. Donc, c'est quelque chose que nous suivons de très près et nous sommes en bonne voie. J'espère que nous allons avoir une bonne réponse dans les semaines qui viennent. Pour terminer, je vous ai quand même mis quelques exemples de contrefaçon. Comme il est tard et que votre journée a été longue, je vous ai mis des exemples parfois amusants. En tout cas, j'ai essayé de prendre des exemples très différents. Là, vous avez par exemple des tickets restaurants de contrefaçon, vous avez des fausses baskets Nike. Alors bon, à part pour les Parisiens au Bois de Boulogne, je vois pas où est-ce qu'on pourrait trouver ce type de chaussures, hein, parce que c'est quand même extrêmement vulgaire et pour courir, c'est pas génial, on va pas se mentir. Vous avez des shampoings, comme vous pouvez voir, vous avez les shampoings Head & Shoulders. Il faut savoir que c'est quand même l'un des produits les plus copiés, et ce shampoing en particulier, c'est le shampoing le plus copié dans le monde. Alors évidemment, il y a tout plein d'autres produits, des écouteurs et puis du parfum, des vélos. Là, vous voyez d'autres produits, du Nutella, les faux polos Lacoste, parce que tout le monde en a entendu parler. D'ailleurs, vous verrez que sur l'exemple qu'on a choisi, le crocodile, il ressemble plutôt à un dauphin d'ailleurs, assez rond comme ça. Les baskets qui sont énormément copiées, et vous avez même des manettes là en bas à gauche de votre écran. Il faut savoir que les produits électriques sont vraiment vraiment beaucoup touchés par la contrefaçon, hein, que ce soit les prises. Par exemple, l'entreprise Legrand, qui est une entreprise française, a énormément de problèmes de contrefaçon. Et puis, il y a des faux disjoncteurs. Voilà, c'est vraiment un gros problème. Quelques autres exemples. Alors, je vous ai mis les baskets parce que j'ai trouvé que c'était quand même une nouvelle manière de montrer comment est-ce que les contrefacteurs essayent de faire passer les produits. Vous voyez, en fait, ils mettent plusieurs lanières et au moment où vous en décollez deux, de manière à vous faire des fausses baskets Adidas, par exemple. Vous voyez, donc ça, c'est quand même assez astucieux. C'est vrai que les contrefacteurs, ils sont extrêmement intelligents, hein. Ils essayent de déposer auprès de l'UIPO des logos à l'envers. Comme ça, quand après, ils les repositionnent dans le bon sens sur les produits, on se retrouve avec le logo de la marque. Ils essayent aussi de blouser l'INPI dans certaines de leurs démarches. C'est vraiment très compliqué. Là, vous avez aussi un exemple de Bétadine. Il faut savoir que les faux médicaments, c'est un réel fléau, que malheureusement, il y a encore beaucoup de gens qui achètent des faux médicaments sur Internet sans penser qu'il peut y avoir un danger. Donc, c'est de notre devoir de vraiment indiquer ce danger au plus grand nombre, parce qu'il y a énormément de faux médicaments avec des dangers extrêmement importants et réels sur la santé et sur la sécurité. Puis, je vous ai mis l'exemple du numéro 5 Chamel, juste parce qu'en fait, je l'ai reçu il y a quelques jours de la part d'un conseil à nous à Dubaï, et j'ai trouvé que c'était assez amusant. Donc, j'en ai profité pour l'ajouter. D'autres exemples un peu différents. Donc, vous voyez les médicaments qui arrivent vraiment en masse, hein, dans des cartons qui sont, enfin, même pas sous blister, même pas. Vous voyez, c'est vraiment pour vendre un maximum. Et dans des conditions assez étranges, hein, c'est soit vendu sur les marchés, à la sauvette, sur Internet vite pour mettre dans des enveloppes sans packaging. Voilà, c'est vraiment ce qui est utilisé. Les fausses lunettes de soleil, je les ai mis parce qu'on pourrait penser que finalement, lunettes de soleil, c'est pas grave. En réalité, les lunettes de soleil, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave parce que dans les lunettes de soleil, d'abord, vous avez un indice de protection UV qui
son premier rôle, c'est de protéger des UV. Donc, lorsque vous êtes en plein soleil, au ski, par exemple, ou lorsque vous pratiquez des sports extrêmes et que vous avez besoin d'une vraie protection solaire, les fausses lunettes de soleil peuvent être extrêmement dangereuses. Et si jamais vous avez un accident, si jamais il y a un problème, il faut savoir que les vraies lunettes de soleil, vous avez dû déjà l'expérimenter, lorsque vous les cassez, le verre reste collé toujours à la paroi. Il est fendu, il peut être un peu éparpillé, mais il reste collé. Et donc, il n'y a pas de risque de pouvoir abîmer votre cornée. Tandis que sur les fausses lunettes, il y a un vrai danger parce que le verre explose en 1000 morceaux. Il peut vous abîmer la cornée, voire vous rendre vraiment aveugle ou dans le meilleur des cas, borgne, parce que c'est parfois, il y a des accidents extrêmement graves. Et puis, je vous ai mis l'exemple du faux parfum parce qu'il ne faut pas oublier, c'est un exemple qui fait souvent sourire, que le meilleur conservateur qui coûte le moins cher et qui est utilisé massivement pour les faux parfums par les contrefacteurs, c'est l'urine animale. Donc, se parfumer avec un faux parfum, c'est se parfumer à l'urine. Et je vous en conviendrai, personne n'en a vraiment envie, je pense. Dernier exemple, alors là, ce n'est plus des produits, mais vraiment des concepts. Vous avez donc des faux McDo, des faux Pizza Hut, des faux KFC, des faux Starbucks, des faux magasins IKEA, et le dernier qui est un faux magasin Apple. Alors celui-là, je l'affectionne particulièrement parce qu'il a été démantelé à Pékin. Et lorsqu'il a été démantelé, ce qui avait de terrible, c'est qu'en fait, tout était tellement bien organisé avec des moyens financiers extraordinaires derrière que les vendeurs pensaient vraiment travailler pour Apple. Voilà. Donc, voilà très, très, très rapidement ce que je voulais vous dire ce soir. La contrefaçon, ce n'est pas forcément ce qu'on imagine. C'est beaucoup plus dangereux, c'est beaucoup plus pernicieux. Et je pense qu'il est important de pouvoir vraiment lutter ensemble contre la contrefaçon. Je vais essayer d'arrêter de partager mon écran. Voilà, ça marche super. J'ai vraiment des progrès sur vous. Et je vais donner la parole au député Blanchet qui va vous parler de son merveilleux rapport dont on espère voir les propositions très vite mises en place par le gouvernement. Merci Delphine. Et encore bravo pour cette présentation, toujours aussi dynamique et vivante. Merci Monsieur le Directeur, bonsoir, merci de nous accueillir. Bonsoir à toutes et tous. Alors c'est très, très frustrant parce qu'on ne voit pas qui est là et c'est assez troublant. Je sais que vous avez l'habitude, mais nous, en tant que parlementaires, on n'a pas l'habitude. D'habitude, on voit nos interlocuteurs et à qui on s'adresse, donc c'est assez perturbant, je dois le dire. Je sais que pour vous, c'est un peu coutumier du fait et je comprends encore plus vos souffrances de devoir vivre une dernière vision en Zoom à 7h06. Donc, je vais essayer d'être aussi dynamique que Delphine et dans la complétude de ce qu'elle a pu dire, évidemment. Donc, je vous remercie vraiment de nous avoir invités et de nous permettre d'intervenir dans ce cycle de conférences sur l'écosystème de la propriété intellectuelle, ainsi que l'indique l'intitulé de cette conférence. Nous avons vécu depuis maintenant de longues années une véritable explosion en matière de contrefaçon. Or, si bien peu de choses ont été faites auparavant, il semblerait qu'il y ait eu une certaine prise de conscience de l'ampleur du phénomène récemment. Et comme l'a indiqué Delphine, Madame Sarfati, l'action politique que j'ai menée avec mon collègue Pierre-Yves Bournazel n'y est sans doute pas pour rien non plus depuis 2 ans. Ainsi, si vous le voulez bien, tout en restant dans le temps imparti, je vais commencer par vous présenter brièvement cette action politique, car je sais les jeunes friands de tranches de vie, et pour leur montrer comment ce thème de la contrefaçon et de la propriété intellectuelle a été abordé dans un milieu qui n'est ni universitaire ni professionnel, parce que c'est le cadre parlementaire, et c'est de faire comprendre comment il faut batailler pour arriver à ce que la contrefaçon arrive en priorité dans l'action du gouvernement aujourd'hui. Ensuite, je présenterai cette explosion, ses causes et ses conséquences, même si Delphine a évidemment évoqué cela en multitude, puis ce que nous faisons et ce qu'il faudrait faire pour espérer le contenir, et je pense que c'est pile poil dans le cycle de vos études à toutes et tous. Ainsi, dans un premier temps, donc c'est en 2017, donc au début de mon mandat, que j'ai pris conscience de l'ampleur du phénomène de la contrefaçon.
pour la France, lors tout simplement d'une invitation au musée de la contrefaçon, à l'invitation de l'UNIFAB et de Delphine et de M. Christian Peugeot, son président. Et là, bah, on va dire qu'on prend un coup de massue, on prend un coup de vérité et tous les préjugés tombent et tous les préjugés du consommateur lambda que j'étais tombent et on s'aperçoit de l'ampleur du phénomène. Et donc, à partir de là, j'ai décidé d'en faire une des priorités de mon mandat au niveau national. Et ben, il a fallu faire en sorte de trouver comment accrocher pour trouver le véhicule pour pouvoir porter cela au niveau de l'Assemblée nationale. Les moyens qui s'offraient à moi me semblaient insuffisants, évidemment. Et en tant que législateur, je peux bien sûr déposer une proposition de loi, mais on n'écrit pas une loi en se levant le matin et il faut connaître tout l'écosystème dans lequel on intervient. Donc, je peux faire des amendements, par exemple, batailler pendant des jours pour changer quelques mots ici ou là dans les lois qui ne sont pas précisément prévues pour ça. Mais je l'ai fait et je continue à le faire récemment dans les différentes lois que Delphine vous a évoquées précédemment. Mais c'est peu efficace au final parce que si on n'a pas convaincu avant le gouvernement, souvent en deuxième lecture, on voit disparaître les amendements qu'on a réussi à faire voter. Alors, il restait un choix qui était à travers le contrôle de l'action du gouvernement parce que le législateur, les députés sont là aussi, au-delà de faire des lois, de faire le contrôle de l'action du gouvernement. Alors, il y a la question, on peut poser des questions écrites, ce qui a été fait. On a préparé cela avec l'UNIFAB, que je remercie encore de m'avoir vraiment épaulé, de façon à ce que de commencer à faire monter la mayonnaise. Voilà. Et j'ai saisi l'option et l'opportunité qu'à l'Assemblée, il y a ce qu'on appelle le Comité d'évaluation et de contrôle de l'Assemblée nationale, le CEC, et dont je fais partie, et on cherchait un rapport, et j'ai immédiatement proposé le sujet de la contrefaçon pour qu'il soit retenu, et ce qui m'a été acté. Pour faire simple, le CEC permet d'utiliser les hauts fonctionnaires pour contrôler les hauts fonctionnaires. Voilà. Alors, c'est assez efficace et redoutable. Ce n'est pas très souple, mais vraiment terriblement efficace parce qu'on est assisté par la Cour des comptes qui se met au service pour faire une photographie précise du sujet sur lequel on a acté, et en l'occurrence sur la contrefaçon. Et on s'est aperçu que c'était vraiment fort utile et efficace. Donc ensuite, j'ai procédé à de nombreuses auditions et de visites, ce qui m'a permis de réaliser mon rapport sur cette explosion de la contrefaçon. Et voilà, de manière très simplifiée, comment j'en suis arrivé à produire mon rapport, après 2 ans et demi de travail. Pour faire simple, ça a pris 2 ans et demi d'aller-retour régulier avec l'UNIFAB et avec les intervenants officiels, étatiques, les lobbyistes aussi, les entreprises, et un petit peu ralenti véritablement avec le confinement, notamment de mars à mai l'année dernière. Qu'apprend-on du phénomène quand on s'intéresse sur la contrefaçon? La première chose, c'est qu'il est très difficile de le cerner efficacement, puisqu'il s'agit d'une activité clandestine par nature. Les producteurs de contrefaçon ne publient pas leur compte. Quant aux acheteurs, ceux qui achètent une contrefaçon en connaissent deux causes, ne le clament pas non plus sur les toits, et ceux qui se font berner ne s'en rendent parfois jamais compte. Delphine vous l'a rappelé, 4 acheteurs sur 10 ne savent pas qu'ils ont acheté une contrefaçon. Je retiens toutefois certains chiffres de la Cour des comptes qui ne sont que des évaluations. La France est le premier pays touché en Europe, le deuxième au monde après les États-Unis. La contrefaçon détruit 40 000 emplois chaque année en France et fait perdre 10 milliards d'euros à l'État de recettes. Pour vous donner un comparatif, 10 milliards, c'est autant que le budget du ministère de la Justice et de la Culture réunis. Et vous pouvez donc ajouter à cela les 7 milliards de pertes pour l'économie, comme a indiqué Delphine, et vous avez la somme globale de ce que coûte la contrefaçon en France. On a appris ainsi avec la Cour des comptes, dans le rapport, qu'elle avait déjà produit un rapport en 2014 et était force de constater qu'il n'y avait pas eu grand-chose de fait depuis. Ce qui m'a valu à plusieurs occasions de dire,
En 2014, nous étions sixième mondial, la France. En 2020, on est passé vice-champion du monde. Je ne voudrais pas que la prochaine fois, on devienne les champions du monde. Il y a des coupes dont je pense on pourrait bien se passer en France. Alors, l'un des constats, c'est que la contrefaçon s'achemine aussi différemment qu'auparavant. On a encore l'image du conteneur plein de sacs de luxe en tête, mais ça n'existe plus. Aujourd'hui, tout arrive par petits colis. Et rien qu'à Roissy, il faut bien voir que ce sont 6 colis par seconde qui arrivent. Pour avoir été voir sur place, c'est le cas de le dire, on nous avait décerné un tapis avec l'arrivée d'Asie, des colis. Et c'est un peu comme le jeu La Bonne Pioche. Hein. À chaque colis qu'on prenait, c'était une contrefaçon. Voilà où on en était. Et évidemment, il y a un moment, comment tout contrôler quand on a 6 colis par seconde? Évidemment, la contrefaçon, et Delphine vous l'a montré, ne concerne pas que le luxe. Le gros problème, c'est qu'elle concerne les produits de consommation courants, dangereux pour le consommateur, les jeux pour enfants, les médicaments, les cosmétiques, tout est contrefait. Et toute contrefaçon est dangereuse. La contrefaçon est dangereuse pour vous-même, évidemment, car le chargeur de téléphone pas cher que vous achetez sur Internet risque de flamber tout simplement. Le médicament ne vous guérira pas, voire vous rendra encore plus malade. La contrefaçon est aussi dangereuse pour l'environnement, et nous avons eu ce focus dans notre rapport, car par exemple l'industrie du jean contrefait en Turquie est dévastatrice pour les rivières. Les contrefacteurs ne s'embarrassent pas de respecter les normes, et les pires produits, même les plus dangereux, sont utilisés et jetés dans la nature sans le moindre scrupule. Tout est bon à prendre tant que c'est moins cher. Enfin, la contrefaçon est un business pratique pour le grand banditisme. Pourquoi risquer 10 ans de prison et 7,5 millions d'euros d'amende en trafic de drogue, avec beaucoup de précautions? Voilà la question. Dites plutôt que vous êtes entrepreneur et vendez des contrefaçons de briques et brocs, vous ne risquez que 3 ans de prison et 300 000 euros d'amende. Et qu'importe si c'est dangereux pour le consommateur, ce n'est pas auprès de vous qu'on viendra se plaindre. Et encore moins recherché, c'est beaucoup plus difficile de retrouver une contrefaçon dans un colis qu'une drogue, tout simplement, parce que les chiens renifleurs de fausses baskets ou de faux médicaments, ça n'existe pas. Enfin, une question que je me suis posée pendant tout notre rapport, c'est est-ce que la contrefaçon finance le terrorisme? Aujourd'hui, rien ne le démontre. Je sais que l'UNIFAB a fait un rapport là-dessus, a présenté un rapport. Aujourd'hui, forcément, que rien ne le démontre. En tant que parlementaire, je dois acter sur des choses très précises. Mais on a le droit de se poser fortement la question. Si vous êtes un truand et que vous écoulez de la contrefaçon en paix, autant rester loin des filières terroristes qui sont particulièrement surveillées. Mais pour autant, il y a quelques exemples. Mais c'est essentiellement de l'opportunité sans lendemain. Régulièrement, j'ai dit depuis 2 ans et demi qu'acheter une cartouche de cigarette contrefaite revient à financer la cartouche de la Kalachnikov qui tue nos soldats au Mali. Je ne peux pas dire que ce soit conforme à la réalité, mais je ne peux pas dire que ce soit écarté. Ce que l'on peut dire toutefois, c'est que la contrefaçon entretient des marchés parallèles dont les raisons de financement occulte peuvent servir au terrorisme. Ainsi, on se rend compte que la contrefaçon est partout, des pièces de rechange automobiles aux jouets d'enfants, elle concerne tous les secteurs économiques et industriels, tout type de marchandises, et chacun d'entre nous, aussi bien online qu'offline, au niveau national qu'international. Une règle simple doit être de se dire si une marchandise existe, alors il en existe déjà une contrefaçon, et des fois avant même qu'elle soit sur le marché. Elle est donc l'affaire de tous, et pour mieux lutter contre, elle doit devenir socialement inacceptable. L'un des objectifs communs, et vous les jeunes, vous avez une mission, rendez la contrefaçon ringarde. Et rendez-la parce qu'on a précisé comment le faire. Et ce changement de perception devra nécessairement passer par la jeunesse. Vous en êtes les porte-paroles. Et celle-ci est bien plus intéressée qu'on ne le croit, je le crois sincèrement. C'est la raison pour laquelle nous proposons aussi de sensibiliser à l'école ou lors du service national universel sur l'objet de la contrefaçon.
Alors, comment faire? Dans mon rapport, avec Pierre-Yves Bournazel, nous avons fait 18 grandes propositions de plusieurs types et sur plusieurs niveaux. Je ne vais pas toutes vous les lister. Je pense que vous avez eu accès au rapport. Vous me direz, monsieur le directeur, sinon je vous le transmettrai par mail. Sinon, il est accessible sur le site de l'Assemblée nationale en le téléchargeant. Alors, au niveau local, il faut par exemple que les policiers municipaux puissent être compétents sur la vente à la sauvette et que les maires utilisent cette option en collaboration étroite avec la police nationale. J'avais fait adopter un amendement sur cette idée-là dans la loi sécurité globale. Malheureusement, les sénateurs l'ont supprimé. Au niveau national, il faut renforcer notre droit interne et notre réponse judiciaire afin de mieux identifier et de bloquer plus rapidement les sites qui commercialisent de la contrefaçon. Cela implique notamment de s'appuyer davantage sur l'expertise de l'INPI, de faciliter les procédures de plainte pour les ayants droit. Il faut aussi instituer des agents assermentés spécialisés afin de constater directement une infraction de contrefaçon sur Internet et d'exiger le retrait de la commercialisation du produit contrefaisant. Il faut informer davantage les consommateurs aux risques qu'ils prennent lors de leur achat sur Internet et aux dangers que représente la contrefaçon. La propriété des brevets et des marques, ainsi que la défense des droits de propriété intellectuelle des entreprises, doivent être rendues plus simples et moins coûteuses, de trop nombreuses sociétés renonçant aujourd'hui à se défendre correctement. Tout ceci réclame une stratégie nationale coordonnée au niveau interministériel, tant les acteurs sont divers et répartis au sein des ministères des Finances, de l'Intérieur, de la Justice, pour ne citer que. Au niveau européen, la contrefaçon a explosé au niveau international grâce au e-commerce, notamment en utilisant les failles des plateformes. C'est au niveau européen qu'il faut imposer aux acteurs du e-commerce une obligation de filtrage assortie d'une responsabilité, une obligation de retrait des produits illicites, une obligation de transparence sur les moyens mis en œuvre pour respecter ces obligations. Nous avons quand même eu des auditions, et je me rappelle d'une particulièrement où Delphine était présente, où nous avons été quand même circonspects par les moyens qui étaient mis en œuvre, soi-disant par certaines plateformes, pour une efficacité toute relative. Je pense qu'on y reviendra après dans les questions. Mais l'Union européenne a également besoin d'intégrer ce sujet dans sa feuille de route politique, car l'Europe est le premier continent contrefait au monde. Et on l'oublie. L'Europe, c'est le premier marché mondial. Et donc, comme c'est le premier marché mondial, c'est aussi le premier marché mondial pour la contrefaçon. Ainsi, donc, les accords commerciaux qu'elle signe doivent donc dorénavant comporter des clauses sur la protection des droits de propriété intellectuelle. Évidemment, là, nous sommes sur un vaste programme avec, vous pouvez l'imaginer, énormément de lobbying, d'intérêts, et le chemin est encore long à faire. Pour le mettre en œuvre, cela dépasse mes compétences de législateur national. C'est beaucoup du domaine de l'exécutif, le gouvernement, et non du législatif, le Parlement. Donc, depuis des mois, j'avise les ministères concernés en leur rappelant pourquoi ils étaient concernés et je leur demande ce qu'ils comptent faire. Je fais mon lobbying positif à ma façon. Je leur ai aussi envoyé mon rapport, du même qu'au président de la République, naturellement. Et en janvier, avec une opportunité, une option et une nécessité, c'est qu'en janvier 2022, la France prendra la présidence de l'Union européenne. Et il est impensable et impossible que la contrefaçon ne soit pas mise dans l'un des grands objectifs de la présidence européenne. Sinon, nous aurons loupé tout simplement le train et nous deviendrons tôt ou tard champions du monde sur la contrefaçon. Nous disposerons alors de 6 mois pour faire comprendre à nos partenaires européens la position de la France sur le sujet de la contrefaçon, et ce n'est pas une mince affaire, croyez-moi. Mais les travaux qui ont été faits depuis 2 ans montrent aisément que l'Europe est de loin le premier continent contrefait au monde. Il ne faut donc pas baisser les bras et continuer à sensibiliser sur ce sujet. Je pense que les choses commencent à bouger et le Digital Service Act, alors en anglais Digital Service Act, Delphine le prononce beaucoup mieux que moi, elle a un meilleur accent anglais, dont vous avez certainement entendu parler, sans prendre en compte ce sujet. En France aussi, il y a eu des avancées et les douanes, en particulier, ont présenté un plan de lutte sur les 2 prochaines années qui prend réellement le sujet en compte, dont un des sujets de la contrefaçon et contrebande de cigarettes, parce que les deux sont liés aujourd'hui, actuellement, et il y a un gros enjeu économique et de santé publique avec la contrefaçon de cigarettes.
J'ai vu tout ce qui a été fait depuis un an et j'ose croire que le temps passé à solliciter la Cour des comptes, puis à travailler avec l'excellent soutien du CEC et grâce à la sensibilisation de l'UNIFAB, a permis de prendre conscience de l'ampleur du phénomène qui est incontrôlable aujourd'hui. Il y a donc un nouvel élan dans la lutte contre la contrefaçon. C'est encore faible à consolider, mais je pense que ça va dans le bon sens. Il manque toutefois encore une grande loi de modernisation de la lutte contre la contrefaçon, j'espère. Je peux vous dire aujourd'hui que j'y travaille et j'espère avoir le temps de la faire voter avant la fin de la mandature l'année prochaine, ce qui est très court. Je ne peux pas aujourd'hui vous dire grand-chose à son sujet, si ce n'est peut-être que je propose de créer une réserve de la douane, comme il en existe des réserves militaires, aussi pour compléter les effectifs. C'est une autre de mes priorités sur laquelle je suis en train aussi de faire un rapport. Je pense d'ailleurs que votre profil de spécialiste de la propriété intellectuelle, chers jeunes gens, pourrait intéresser les douaniers, donc n'hésitez pas à vous renseigner aussi si à les créer et éventuellement à les incorporer. Voilà ce que je pouvais vous dire de manière synthétique dans le temps imparti, afin de pouvoir laisser place à l'échange et au questionnement. Mais sachez que c'est tous unis et fédérés que nous y arriverons, avec d'abord de la communication en disant ce que la contrefaçon est, ce qu'elle n'est pas, ce qu'elle coûte, en quoi elle est dangereuse, et ça demande un effort pédagogique énorme, et après un effort de diffusion énorme au niveau de nos concitoyens, pour leur permettre de s'y retrouver, et que pour les 4 Français sur 10 qui achètent de la contrefaçon sans le savoir, qu'ils puissent se retourner contre celles et ceux qui leur ont vendu cette contrefaçon, donc la responsabilité des plateformes, qu'il y ait un moyen de pouvoir contrôler l'achat en vérifiant que ce soit une contrefaçon ou pas. Là, il y a des nouveaux dispositifs qui peuvent le permettre. Et pour les 6 Français sur 10 qui achètent de la contrefaçon en connaissance, c'est de leur faire comprendre que cette contrefaçon fait travailler des mineurs de 12 ans, que cet achat pollue l'environnement, que cet achat détruit l'emploi en France et l'emploi en Europe, que cet achat a des conséquences sociales et économiques à hauteur de 10 milliards d'euros et que cet achat ostensiblement finance la criminalité organisée et donc est dangereuse. Si nous arrivons collectivement à faire valoir juste ce message-là, alors on peut peut-être changer de regard sur la contrefaçon et définitivement la rendre ringarde. Je vous remercie. Un grand merci pour ces présentations qui sont à la fois glaçantes mais très intéressantes. Alors, on a déjà une question dans la fenêtre dédiée aux questions-réponses, mais si vous le permettez, je souhaiterais rebondir sur certains de vos propos. Vous avez évoqué en fait le fait que la France était vice-championne du monde de la contrefaçon. Ma question est pourquoi ? Pourquoi la France était sixième et pourquoi on est devenu deuxième ? Alors, j'ai compris qu'on n'avait rien fait, mais pourquoi la France, malgré tout, au-delà de ça, c'est plus général, pourquoi c'est une cible privilégiée de la contrefaçon ? Je commence, Delphine ? Ou tu commences ? Vas-y. Alors, il y a beaucoup de pourquoi, hein. Il y a beaucoup de raisons. Parce qu'on n'a pas la culture. On a la culture de que la contrefaçon, on peut l'acheter en France. C'est une première raison. Culturellement, acheter, parce qu'on n'imagine pas que tout est contrefait. Quand je me suis intéressé au sujet, la majorité des personnes, quand vous leur parlez de contrefaçon, vous parlez d'un produit de luxe. Et derrière ce produit de luxe, la majorité des personnes disent, bah oui, j'ai peut-être pas le moyen de m'en acheter un officiel, mais je vais m'acheter ce produit de luxe parce que de toute façon, qu'est-ce qu'ils risquent, cette grande maison ? Ils ont les moyens de supporter le fait que j'achète cette contrefaçon. Donc déjà, c'est culturellement. C'est pour ça qu'il faut changer le regard. Par contre, de dire à quelqu'un qui a acheté un produit, ouais, mais tu sais que tu as fait travailler un gamin de 12 ans, tu es pour le travail des mineurs, tu sais peut-être que tu as pollué une rivière, tu sais que tu as financé un criminel derrière tout ça, c'est changer ce regard. Donc pourquoi on y est arrivé ? Parce qu'on a une culture en France que la contrefaçon, ce n'est pas si nocif que ça, déjà. C'est un premier jet. Deuxième point, c'est que je pense que l'État n'a pas mis les moyens nécessaires depuis 2014. Pour vraiment avoir une grande politique globale de lutte contre la contrefaçon. Alors, quand je dis l'État, je ne dis pas les douaniers. Les douaniers font un boulot considérable. Les services de l'État se mettent en quatre pour essayer de lutter contre la contrefaçon. Par contre, l'État, et donc le législateur, n'a pas mis les dispositifs nécessaires, modernes, pour s'adapter aujourd'hui au nouveau mode de consommation de la contrefaçon. Nous étions encore sur la contrefaçon de conteneurs. Non, aujourd'hui, la contrefaçon, c'est le colis individuel.
Donc, comment est-ce qu'on lutte efficacement sur la responsabilité des plateformes, parce que de toute façon, ça évolue. Donc voilà, parmi le tout, je vais laisser Delphine compléter, on va se le faire à deux. Voilà, deux raisons, par exemple, pourquoi est-ce qu'on est devenu champion du monde. En rappelant quand même que la France, c'est un marché mondial d'une manière générale. Donc, dans l'Europe, ça fait partie du marché intéressant pour tout le monde. Et ben, les contrefacteurs s'intéressent à tous les marchés lorsqu'ils sont attractifs. Alors, merci, j'ai envie de compléter de manière extrêmement positive, c'est qu'aussi en France, on crée beaucoup, il y a beaucoup d'innovations. Et donc forcément ça attire les regards et puis aussi les envies économiques des moins malins, de ceux qui créent moins, de ceux qui ont envie de blouser le système et plutôt de voler ce qui ne leur appartient pas. Donc je crois que la France a un gros patrimoine intellectuel et ce depuis toujours et qu'elle continue d'ailleurs à maintenir et à développer, et donc effectivement ça attire les contrefacteurs. Il y a aussi une raison qui est assez simple, c'est que les contrefacteurs ne sont pas assez punis, comme le disait Christophe Blanchet. Les magistrats, même si les peines de prison, on le sait, c'est jusqu'à 7 ans d'emprisonnement, 750 000 euros d'amende, ben, ça nous fait rêver, hein, c'est sur le papier en fait, hein. Mais en réalité, les magistrats, on sait comment ça se passe, hein, dans la magistrature, ils sont encombrés, les dossiers de contrefaçon passent entre un dossier de prostitution, un dossier de pédophilie et un trafic d'armes. Alors, c'est sûr que la contrefaçon, on considère que c'est un crime qui est uniquement économique et que finalement, ce n'est pas si grave que ça. C'est aussi ça le problème. C'est qu'à force de penser comme que la contrefaçon, ce n'est pas si grave, ça passe sous les radars, en fait, de toutes les autorités. Et finalement, dans l'inconscient collectif, et nous, on le voit bien au musée de la contrefaçon, hein, on accueille à peu près 10 000 visiteurs par an chaque année, bon, sauf en 2020 et sans doute en 2021, où on en aura beaucoup moins, même si on fait des visites virtuelles. Mais les jeunes, ils nous répondent, quand on leur dit « Mais vous avez déjà acheté de la contrefaçon ?» Il y en a au moins 50% qui disent « Oui ». Et en plus, c'est ceux qui osent. Hein. Donc, en vrai, je pense qu'il y en a 80%. Et quand on leur demande pourquoi est-ce qu'ils en ont acheté, ils nous disent bah « Parce qu'en fait, si c'était interdit, ce ne serait pas si facile à acheter. » Voilà. Donc, la raison, elle est toute simple. C'est que dans l'inconscient et dans les faits, c'est très simple. On peut facilement acheter de la contrefaçon et on sait qu'on ne risque pas grand-chose. Et est-ce qu'on devrait préconiser, là c'est peut-être un peu tout de suite plus technique, mais est-ce qu'on devrait préconiser justement une spécialisation des juges au pénal, puisqu'on sait que pour le civil, évidemment, on a des tribunaux entre guillemets spécialisés pour les questions de propriété intellectuelle, on s'entend sur le spécialisé, mais c'est vrai que la Cour de cassation s'était prononcée justement pour l'absence de spécialisation et une compétence nationale pour le juge pénal. Est-ce qu'on devrait justement pousser à cette exclusivité pour certains tribunaux ? L'UNIFAB, vous direz oui, évidemment, et le député a inscrit, c'est l'une de ses propositions, hein. Donc je vais vous laisser la parole, mais c'est l'une de tes propositions. Et voilà, votre question, c'est oui, parce qu'on l'a mis dans notre proposition. Je ne peux pas vous être plus clair. Donc, véritablement, il faut former des juridictions spécialisées là-dessus et mieux communiquer et qu'on ait vraiment des créneaux contrefaçon, propriété intellectuelle. Mais ça demande de la pédagogie parce que beaucoup de magistrats n'imaginent pas la conséquence. On voit cela que sur le niveau de la propriété intellectuelle, mais pas sur les autres conséquences qu'on a développées dans le rapport et qu'on vous a présenté ce soir. C'est là-dessus, c'est les conséquences intrinsèques à la contrefaçon. Ce n'est pas que un vol d'une propriété intellectuelle. C'est ça aussi, changer le regard. Et pour les magistrats aussi, pour qu'ils puissent prendre conscience qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de trafiquants de drogue qui vont vers la contrefaçon parce qu'elle n'est pas sanctionnée. Ils risquent beaucoup moins. Et le taux de rentabilité est largement supérieur à x20 par rapport à la drogue, avec 10 fois moins de chances d'être pris et 20 fois moins de chances d'être condamné. Le ratio, il est très clair. Faites le calcul.
Justement, par rapport à cette criminalité organisée, vous avez parlé également du terrorisme. Est-ce qu'on peut en dire plus, un tout petit peu, là, sur les liens avérés ou potentiels avec cette criminalité organisée et les organisations terroristes? Parce que je me souviens également de ce rapport de l'UNIFAB, où il y avait d'ailleurs des exemples qui pouvaient aussi être anciens, parce que, sauf erreur de ma part, il y a des exemples par rapport à l'ETA, par rapport à l'IRA aussi. Est-ce qu'on peut en dire un tout petit peu plus? Alors, moi, je peux développer un peu ce sujet, effectivement. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques années, je crois maintenant, ça doit faire 4 ans ou 5 ans, je ne me souviens plus, hein, le temps passe si vite, on a plusieurs entreprises qui nous disaient que lorsqu'il y avait des grosses affaires de contrefaçon, ils entendaient de plus en plus que ils ne pouvaient plus avoir d'informations sur le dossier parce que c'était transmis à la cellule antiterroriste. Donc, on avait décidé de faire un rapport sur le lien entre la criminalité organisée et la contrefaçon. Et puis, il y a eu l'attentat des frères Kouachi où il a été prouvé qu'ils avaient financé l'achat de leur matériel, ils avaient financé en fait la programmation de leur attentat grâce à de la vente de baskets, de fausses chaussures de sport. Ils avaient même été arrêtés par la douane puis relâchés. Effectivement, ça a été un point de départ. Et quand on a décidé de faire ce rapport, on a souhaité prendre un certain nombre d'exemples anciens pour montrer les liens. Alors effectivement, le lien, il n'est pas toujours direct, comme le disait le député Blanchet. Il n'est pas toujours simple, mais il existe dans beaucoup de cas. Pour une raison bien simple, c'est que c'est très peu risqué de vendre de la contrefaçon pour un criminel, alors que pour d'autres crimes, il risque beaucoup plus. Et en plus, il gagne moins d'argent, parce que lorsque vous avez acheté un faux médicament, le rendement, il est pour 1 euro investi, vous pouvez gagner jusqu'à 1 000 euros sur un faux, sur un, de, en retour sur investissement. Donc vous imaginez, il n'y a aucun produit qui vous permette ce rendement, qu'il soit illicite ou licite. Il y a uniquement la contrefaçon. Alors, je vais être très mesuré parce que c'est un dossier très très sensible, évidemment, votre question. On n'a pas été jusque-là dans le rapport parce que on n'a pas eu assez accès aux renseignements, tout simplement là-dessus. Donc, on n'a pas pu aller voir. Ça mériterait véritablement à un moment qu'il y ait un rapport complet là-dessus pour compléter le rapport de l'UNIFAB qui a eu lieu il y a 2 ans. La seule réflexion que je peux vous dire, c'est est-ce que les réseaux terroristes sont alimentés économiquement grâce au trafic de drogue? On peut l'imaginer, parce qu'il y a déjà des ramifications qui ont prouvé que c'était les trafiquants de drogue qui alimentaient aussi les réseaux terroristes, au-delà des braquages, au-delà des atteintes à personne, des réseaux de prostituées. Si on respecte la logique que les réseaux de drogue peuvent financer des réseaux terroristes. Alors, on peut se dire qu'un réseau de contrefaçon qui va apporter 20 fois plus que la drogue, avec 10 fois moins d'investissement, 10 fois moins de chances d'être pris et 20 fois moins de chances de conséquences judiciaires, peut ostensiblement financer aussi les réseaux terroristes. Mais à ce niveau-là de notre rapport avec Pierre-Yves Bourlazel, nous n'avons pas pu aller plus loin, n'ayant pas assez d'éléments pour acter le fait que la contrefaçon finançait en direct les réseaux terroristes. Par contre, la contrefaçon finance en direct les réseaux criminels. Ça, c'est acté. Merci beaucoup. Alors, on a d'autres questions évidemment qui ont été posées. Je reviendrai aux miennes par la suite éventuellement. Mais une question qui rebondit sur la question des juges. Marie Orfila, bonsoir. Donc, qu'en est-il chez nos voisins européens? Dans quel pays les magistrats sont-ils spécialisés? Est-ce qu'il y a des exemples auxquels on peut se raccrocher? Alors oui, aux États-Unis, il y a des magistrats qui sont effectivement spécialisés. Alors c'est vrai que la justice n'est pas du tout la même, hein, et le fonctionnement n'est pas du tout identique, mais il y a effectivement, cela existe. L'Angleterre aussi a un traitement qui est un peu différent du nôtre. Et je crois que
ce qu'il y a aussi d'important quand je parle de traitement différent d'une autre, c'est qu'en fait, le sujet de la contrefaçon est traité de manière différente, que ce soit en Angleterre, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. On a aussi des exemples. Il y a très souvent, ou en tout cas dans ces pays-là, des ambassadeurs qui sont vraiment soit des ministres qui sont en charge de la propriété intellectuelle, soit des directeurs propriété intellectuelle. Il y en a à la Maison Blanche. À la Maison Blanche, on a un coordinateur propriété intellectuelle. Voilà, on adorerait ça. On adorerait avoir ça à l'Élysée, par exemple. Vous voyez? Parce que la propriété intellectuelle, c'est un sujet qui est quand même transversal. On peut s'adresser au ministère de l'économie, mais aussi à la culture, mais aussi à l'industrie, mais aussi au budget avec la douane. On peut, c'est aussi le c'est aussi les faux médicaments. Donc, vous voyez, en fait, chaque ministère, à un moment ou à un autre, peut être concerné et est concerné par ce sujet. Sans parler de l'éducation, où là, il y a un vrai besoin. Ce n'est pas normal qu'en Asie, on explique aux enfants, dès leur plus jeune âge, ce que c'est que la propriété intellectuelle et qu'en France, ce ne soit pas le cas. Et pour ma part, là, sur cette question, nous avons regardé le modèle américain. Alors, il n'y a pas de modèle exemplaire en Europe. On n'a pas réussi à identifier. Alors, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, parce qu'on n'a pas pu non plus tout voir hein, en Europe. Mais on n'a pas eu connaissance d'une exemplarité de gestion de la justice en Europe sur la contrefaçon. Ça se trouve, ça existe, mais je n'en ai pas eu connaissance. La chose qui est, c'est qu'aux États-Unis, il y a des simplifications de démarches, notamment dans la saisie des noms de domaine et l'attribution de ces saisies au niveau des représentants style Unifab pour pouvoir acter et être beaucoup plus efficace dans le temps et simplifier les procédures. C'est vraiment sur cela qu'on est parti et ça fait partie des propositions qu'on a mises dans notre rapport. Merci beaucoup. Alors, une autre question de Pierre Roulant, cette fois. Donc, bonsoir, monsieur le député. Pouvez-vous développer votre proposition consistant à créer une réserve au sein de la douane? Oui. C'est-à-dire qu'après avoir fini mon rapport sur la contrefaçon, on m'a donné un autre rapport. J'ai enchaîné sur un autre rapport sur les réserves et les réservistes. Et je présenterai mon rapport au mois de mai. Là, je suis dans la finalité de l'écriture. Et il s'avère qu'il y a énormément de réserves en France. Il y a beaucoup de réservistes. Je crois que nous avons une réserviste aussi à l'écran, de mémoire. Et donc, des réservistes qui soient dans le domaine militaire, évidemment, mais des réservistes civils, des réservistes dans le domaine sanitaire, dans l'éducation nationale, la justice, réservistes opérationnels ou pas, réservistes communaux. Et je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de réservistes chez les douaniers. Et je me dis, pourquoi est-ce qu'il y a des réservistes chez les gendarmes et à la police? Pourquoi est-ce qu'il n'y en aurait pas aussi chez les douaniers, tout simplement? Ça peut intéresser des étudiants de se dire, pendant nos études, on voudrait éventuellement faire, je dis rien, hein, pour celles et ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, mais pourquoi est-ce que nous, on veut bien être signé dans une réserve de douane? En plus, c'est un peu notre compétence scolaire. Et oui, on peut se dégager du temps, 5 jours par an, jusqu'à 30 jours par an maximum. Ça peut compléter quelques actions et surtout, ça peut peut-être donner d'autres protocoles ou innovations parce que je sais que la jeunesse est très innovante et peut être source de propositions qui pourraient être utiles aussi pour les douanes et qui sont demandées aussi. Donc, ça fait partie des formulations où je proposerai que les douanes aussi puissent aussi créer une réserve opérationnelle. Et si... Merci beaucoup. Alors, une autre question de Franck Lichou. Vous nous avez expliqué que la contrefaçon ne se faisait plus par container, la condamnation pour contrefaçon étant proportionnelle au préjudice subi. Que risque une société expéditrice dont le petit colis est saisi par la douane? Alors, déjà, il faudrait l'identifier. Déjà, oui, c'est ça. Je n'ose pas dire ça, moi, mais c'est vrai, elle ne risque pas grand-chose. Déjà, la société, elle est basée à Pétaouchnok, donc ce sera quasi impossible de pouvoir lui adresser ne serait-ce qu'une amende. Ensuite, l'adresse en général de l'expéditeur est fausse.
Donc, c'est impossible d'identifier même le vrai expéditeur. Au mieux, le produit est saisi, il est détruit et la personne ne reçoit jamais son produit. Et elle se dit, bah, tiens, je me suis fait arnaquer sur Internet et il ne se passe rien. Ça, c'est vraiment au mieux. Hein. Dans le pire des cas, comme elle a acheté sur un site un peu bah, qui illicite ou qui vend des produits illicites, elle a donné toutes ses données personnelles, se fait voler son identité, on utilise sa carte bleue 6 mois plus tard pour faire autre chose. Et voilà, ça, c'est plutôt le cas de figure classique, on va dire. Mais la société en elle-même, il n'y a pas grand-chose. Et c'est même plus que pas grand-chose, c'est rien. La vérité, elle est là dans le constat. Et on ne peut pas en vouloir à quiconque. Là, c'est tellement volumineux. Il faut voir, il faut aller voir ce qui se passe à Roissy. Ce sont des montagnes de contrefaçon, des montagnes. Donc, c'est tellement volumineux qu'avec la procédure que l'on a en France, nos services perdent encore trop de temps. Et pendant ce temps-là, ça s'écoulera encore plus. Donc, franchement, il n'y a pas grand-chose. Ça fait partie des process de simplification qu'on a mis dans le rapport. Et pour compléter ce que disait Delphine, il y a encore un autre cas sur le consommateur qui a acheté une contrefaçon et qui l'attend, c'est qu'il ne reçoit pas sa contrefaçon. Donc, comme l'a dit Delphine, bah, il serait fait arnaquer ou au pire, il sera volé ses données. Mais il y a encore une autre technique en plus. C'est qu'il va éventuellement s'adresser au site en disant ben, « j'ai pas reçu » et le site va lui renvoyer la contrefaçon et cette contrefaçon a des chances de passer du coup parce qu'il y en a tellement qui arrivent, c'est la masse qui fait. Et le consommateur s'y retrouve en disant ben, « c'est bon, j'ai été livré ». Et le vendeur dira de toute façon, ça, c'est inclus dans son prix de vente le fait que certains produits peuvent être saisis. Donc, voilà où on en est aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, si je peux me permettre d'ajouter quelque chose au-delà des difficultés, je pense qu'il est important de distinguer la question du préjudice et la question de la sanction. Les dommages et intérêts, évidemment, c'est une sanction, mais c'est pour réparer le préjudice. Donc, effectivement, si les dommages et intérêts ne sont pas importants, c'est une chose, mais on peut quand même toujours sanctionner au pénal, et ça, c'est bien évidemment indépendant du préjudice. Et je pense qu'il faut bien distinguer les deux. Une autre question, et là on va s'orienter un petit peu sur les aspects suivi de la contrefaçon ou suivi des produits, puisqu'on a deux questions sur la blockchain. Donc Nicolas Offert, que pensez-vous de la création du consortium Aura Blockchain par LVMH, Cartier et Prada pour la création d'un label d'authenticité? Pensez-vous que ce type de système blockchain n'est pas dans un futur plus ou moins éloigné une des meilleures façons de lutter contre la contrefaçon? Je pense particulièrement à une application, par exemple, sur des sites de vente en ligne qui auraient un réel moyen de contrôle de produits mis en vente par des tiers sur leur plateforme. Je commence, Christophe ou... Alors, moi, je trouve que c'est une excellente chose. Mais pour moi, ce n'est pas un outil de lutte anti-contrefaçon. C'est un moyen pour les consommateurs qui achètent de la seconde main de s'assurer qu'ils achètent un produit authentique. Mais celui qui veut acheter de la contrefaçon ou celui qui veut continuer à vendre de la contrefaçon, il le fera. Donc, c'est un moyen supplémentaire. Voilà, c'est un moyen supplémentaire. Et puis, au-delà des aspects de lutte anti-contrefaçon, c'est un formidable outil marketing pour les entreprises qui vont continuer à suivre leurs clients. Parce qu'auparavant, quand vous achetiez un produit de luxe, quel que soit le produit de luxe, et que vous revendiez ce produit de luxe, l'entreprise, elle perdait le contact avec le consommateur. Là, elle va pouvoir suivre son consommateur, le numéro 2, et elle va pouvoir continuer à lui proposer des services. Donc, je trouve que c'est merveilleux, c'est très, très bien pensé au niveau marketing. Au niveau de la lutte anti-contrefaçon, c'est un outil de plus, mais ce n'est pas ça qui va éradiquer la contrefaçon à mon sens. Ça fait partie des solutions. C'est pas la solution miracle, ça fait partie des solutions. Et là où je rejoins entièrement Delphine, qui va concerner les 4 consommateurs sur 10 qui achètent la contrefaçon sans le savoir. Voilà. Les 60% de consommateurs qui achètent volontairement la contrefaçon ne vont pas utiliser cette application. Parce qu'ils achètent volontairement de la contrefaçon. Donc on est sur le segment de marché des 40% de consommateurs qui se font avoir. Donc si ça permet de les rassurer. Bah, très très bien.
Après, l'outil marketing, tout ça, bah, moi, je ne suis pas là pour donner mon jugement là-dessus. Moi, je vais parler en tant que législateur. Si ça permet de rassurer des consommateurs pour vérifier que leur achat soit un vrai, c'est positif. Et y a plusieurs applications qui se mettent en route sur différents modèles, sur différentes chaînes. Je pense que, je vais vous faire un parallèle, je pense que cela va faire partie des solutions à l'avenir. Il faut faire en sorte que ce soit un avenir proche. Mais on voit que ces consortiums qui créent leur application, c'est très bien. Et on verra d'autres consortiums sur d'autres produits qui feront la même chose. Et pour prendre un parallèle, ça va être un petit peu comme les agences de voyage. Vous allez avoir toutes les agences de voyage qui vont créer leur propre site. Et à un moment, il y aura une application qui va être créée pour mettre en veille toutes les agences de voyage pour voir quel est le meilleur vol à moindre prix, le comparateur. Et bien, je pense qu'on y arrivera à un moment. Et c'est comme ça qu'on aboutira véritablement à rassurer le consommateur sur la contrefaçon qu'il a achetée. Il y aura un comparateur et peut-être que je peux donner l'idée là à un des jeunes qui écoute. Ça peut être quelque chose à créer et je pense qu'il y a beaucoup d'argent à gagner. Du coup. Merci beaucoup. Alors, une question de Mehdi Chouiki. Comment mettre en place au niveau européen le contrôle de la contrefaçon? Alors ça, c'est quelque chose de compliqué parce qu'il faudrait que toutes les douanes européennes se mettent d'accord. Or, vous savez très bien que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Les douaniers sont en concurrence parce qu'il s'agit de dédouaner le plus possible dans un minimum de temps. Il y a évidemment une volonté générale de protéger les marchés nationaux et de protéger les consommateurs. Mais je ne pense pas qu'il y ait une possibilité vraiment, à moins que la DGTAC Sud en charge de ce dossier en fasse une réelle priorité au niveau à Bruxelles. En toute honnêteté, je pense que ce n'est pas demain la veille. Hein. Ça fait partie des sujets de préoccupation, mais ce n'est pas une priorité. Il y aura d'autres priorités qui passeront bien avant et qui seront mises en place petit à petit. Mais les outils sont compliqués à mettre en place. On ne peut pas imposer en plus à des douanes. On ne peut pas imposer à plusieurs douanes d'utiliser le même outil technologique et à toutes les entreprises d'utiliser le même outil technologique parce que ce ne serait pas applicable déjà. On ne peut pas mettre le même type de produit. On ne peut pas mettre, par exemple, soit un code à bulle, soit autre chose, un QR code ou n'importe quoi. On ne peut pas mettre tout sur tout. Le même sur tous les produits. On ne peut pas mettre la même chose sur un stylo à billes que sur un parfum, que sur un médicament. Alors, les médicaments, ils ont leur propre reconnaissance. Hein. Ils ont maintenant un système qui vient d'être mis en place et qui fonctionne plutôt pas mal. Donc, peut-être que ça pourrait être étendu à d'autres secteurs d'activité, mais je ne crois pas que c'est pour demain. Ce n'est pas pour demain. Mais ça peut être pour après-demain. Comment faire pour qu'on ait un consensus européen? Ce sera juste une action politique et un engagement fort politique. Si un engagement fort politique de plusieurs présidents de la République européens qui disent « on tape du poing sur la table, maintenant c'est comme ça », les services suivront derrière. Ça suivra, mais il faut un réel engagement. D'où aujourd'hui la forte mobilisation que l'on fait pour que le président de la République prenne cela en considération sous sa présidence au 1er janvier 2022. Il n'y a que l'engagement politique manifeste, ferme, avec plusieurs messages en disant on va retrouver notre indépendance européenne, retrouver notre autonomie de contrôle et retrouver au niveau Europe notre sécurité du marché pour nos consommateurs européens. Et donc ça, c'est juste une volonté politique. Et en face de cela, il y a énormément de lobbying, énormément d'intérêts, énormément de conséquences dans les accords internationaux. Mais il n'y a que la volonté politique qui fera qu'on pourra passer l'étape. Je n'ai aucune visibilité si c'est demain ou après-demain. Mais en tout cas, je l'appelle de tout mon cœur.
Merci beaucoup, Delphine. Vous aviez levé la main, vous souhaitiez ajouter quelque Comment chose? se croiser les doigts? Ah, vous croisiez les doigts. Très bien. Alors, on vous a bien vu. Alors, une autre question qui, sauf erreur de ma part, nous vient de Madagascar, puisque c'est quelqu'un qui participe à de nombreux séminaires. Donc, c'est le cabinet Raketa Manga. Et ça revient peu ou prou peut-être à la question qu'on a posée tout à l'heure s'agissant des réseaux. Qui sont derrière ces réseaux de contrefaçon? Il y a un peu tout le monde, hein. Il y a le petit jeune qui va vouloir arrondir ses fins de mois et qui s'aperçoit qu'en achetant quelques dizaines de contrefaçons sur AliExpress et en les revendant sur Le Bon Coin ou sur une autre, ou même au coin de sa rue, peut se faire un petit billet à la fin du mois. Il y a celui qui vendait auparavant des produits de contrebande ou de la drogue ou qui décide de changer, de prendre une activité moins dangereuse entre guillemets et d'en faire un commerce. Il y a celui qui a toujours trempé dans des trafics et qui va continuer avec la contrefaçon parce que c'est juteux et parce que ça devient facile, notamment sur les réseaux sociaux, hein. Maintenant, comme sur les réseaux sociaux, vous avez des groupes fermés. Et donc, sur les groupes fermés, bah, c'est très difficile d'y avoir accès si vous ne faites pas partie de ce groupe. Et ils vous donnent rendez-vous le matin en disant « Je serai à partir de 16h sur le parking magasin Carrefour de telle ville et j'aurai tant de produits avec moi. » Et les gens viennent comme ça pendant 1 heure. Donc, c'est très difficile, hein, de pouvoir savoir exactement… exactement qui est derrière, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est très diversifié en fait. C'est très diversifié. Et on retrouve, on aura les revendeurs qui ont différents profils, Delphine l'a évoqué, mais d'ailleurs, il y a ceux qui produisent la contrefaçon et ceux qui vont la produire, c'est à grande échelle. À grande échelle. Et donc là, ce sont des industriels et des organisations criminelles très, très, très bien organisées et très, très réactives. Et donc, ce sont vraiment ce sont des entreprises. Il faut en prendre conscience. Ce sont des entreprises de contrefaçon qui sont organisées, structurées, comme un service comptable, un service marketing, un service ressources humaines. Donc, c'est très, très structuré, les contrefaçons. Il ne faut pas se leurrer. Donc, mais si je prends l'exemple de la contrefaçon du tabac, la fabrication, l'organisation, c'est très structuré. Par contre, le revendeur que vous verrez à Paris, c'est la contrefaçon de la misère. C'est la contrefaçon de la traite humaine. Parce que le contrefacteur qui va vendre le paquet de cigarettes à 4 euros, la plupart du temps, c'est quelqu'un d'origine étrangère, en situation semi-irrégulière, mais qui était juste dans une précarité terrible, qui vit dans la rue et qui, grâce à 2-3 paquets qui sera vendu, pourra s'alimenter dans la journée. Donc, c'est l'utilisation de la misère, la contrefaçon, la finalité. Le dernier maillon de la chaîne, c'est la misère, à la plupart des cas. Mais celui qui est dans son pays à fabriquer à la contrefaçon ou à la concevoir, hein, en Asie, Moyen-Orient et en Europe, parce que la contrefaçon de tabac, elle est faite en Europe, et la réalité, elle est là, ce sont des réseaux criminels très, très, très bien organisés. Merci beaucoup. Alors, une question d'Alban Lassab. Que pensez-vous de l'impact de la guerre sino-américaine sur l'arrivée massive des petits colis en Europe et en France, entre parenthèses, réforme de l'Union postale universelle et développement des nouvelles routes de la soie notamment? Les routes de la soie, c'est un vrai souci, hein. Les nouvelles routes de la soie, il suffit de mettre de la contrefaçon dans un train en Chine pour qu'il arrive à Lyon sans quasiment aucun contrôle. Moi, je suis allée à la frontière à Varsovie, enfin à 1h30 de Varsovie. J'ai vu que il y avait un train qui passait. Quand j'y suis allée, c'était il y a 2 ans, il y avait déjà 4 trains qui passaient par jour et ils étaient 4 douaniers à faire du 7 jours sur 7. Donc déjà, je ne sais pas comment ils faisaient leurs 7 jours sur 7. Donc, et c'était vraiment le premier point de contrôle au niveau de l'entrée en Europe. Donc en gros, il y a très peu de moyens humains mis en place par la Pologne pour surveiller. Il y a très peu de moyens financiers derrière. Et chaque pays
où le train passe, une fois que c'est arrivé, ça passe par la Pologne, chaque pays pense que le pays d'avant l'a contrôlé. Donc, en fait, le problème, c'est que personne ne contrôle rien et ça dérange finalement personne. Donc, alors effectivement, il y a aussi des entreprises vertueuses qui utilisent ces trains et c'est vraiment extrêmement intéressant, c'est moins polluant, etc. Bon, il y a un tas d'avantages, mais il faut quand même un peu plus de contrôle. Donc, je pense que à ce niveau-là, une prise de conscience européenne pour attribuer des fonds pour que la Pologne puissent contrôler ces trains qui ne font que être multipliés par deux tous les 3 mois. Hein. C'est-à-dire que quand on a commencé à en parler, je me souviens, on avait 4 par semaine, ou 3 ou 4 par semaine qui passaient. Là, je crois qu'on est à 6 ou 8 par jour. Donc, ça devient incroyable et ça va ne faire qu'augmenter. Donc, ça, c'est un vrai souci. Ensuite, les petits colis qui arrivent des États-Unis, ça arrivait aussi avant, hein. C'est juste que nos méthodes de consommation ont changé, que maintenant on consomme aussi bien chez son commerçant du coin de la rue où on demande à être livré parce qu'on n'a pas envie de descendre de chez soi qu'aux États-Unis. En fait, c'est juste nos méthodes qui ont changé de consommation. Tout à fait d'accord avec ça. Et je reviens sur la route de la soie. C'est la plus grosse menace sur laquelle on doit agir rapidement, sinon on va le subir de plein fouet. Et il y a un principe à appliquer, c'est que toute marchandise qui rentre sur le territoire européen doit être contrôlée, et sans se poser la question si ça a été avant ou pas. Et donc dans ce cas-là, sur la Pologne, très clairement, c'est comment est-ce qu'on renforce les moyens européens au niveau de la Pologne pour que tous les trains soient contrôlés, toutes les marchandises soient contrôlées. Ça demande évidemment des infrastructures, des moyens humains, mais c'est primordial, parce que sinon on va subir un assaut, parce que la Chine, pour ne pas la citer quand même, est dans une politique d'attaque économique, commerciale très forte, agressive. Mais derrière cela, il y a aussi la contrefaçon. Et l'agression, c'est nous qui la subissons aujourd'hui sur notre territoire national. Donc il faut absolument qu'on se donne les moyens de contrôler les marchandises illicites que sont la contrefaçon. Et ça doit être à l'entrée en Europe de quelques marchandises que ce soit. On y arrive bien quand même au niveau maritime. Pourquoi est-ce qu'on n'y arriverait pas au niveau train? Il y a un moment, voilà. Je suis désolé, j'ai du soleil. Hein, désolé, j'ai le soleil normand en pleine tête, ce qui crée quelques décourages de l'orage. Mais il fait tellement beau chez moi. Merci beaucoup pour ces précisions. Alors, une autre question d'un invité, donc un anonyme. Merci pour cette présentation. Avec la période actuelle et la croissance exponentielle du e-commerce, que pensez-vous de la lutte contre la contrefaçon de marques sur les réseaux sociaux? Ben, il Obligatoire. faudra passer encore. Je vais répondre en premier, Delphine. La lutte contre la contrefaçon de marques sur les réseaux sociaux devrait être encore plus importante, mais il y a un moment, c'est à vous, les jeunes, de faire cette lutte. Rendez cette contrefaçon ringarde. Dénoncez-la. Montrez ce que c'est. Mettez en responsabilité celles et ceux qui achètent de la contrefaçon en disant, mais comment peux-tu cautionner de faire travailler un gamin de 12 ans? Responsabilisez. Je sais très bien, et nous le savons, que dire et cibler une personne en disant honte à toi, tu as acheté une contrefaçon, tu as détruit un emploi et tu as coûté 10 milliards d'euros, la personne, elle s'en fout. Mais dites-lui, tiens, dis donc, tu as fait bosser un gamin de 12 ans avec cette contrefaçon, ou tu as pollué la rivière, ou tu as abattu des arbres qui étaient protégés. Eh bien, c'est vous qui pouvez faire quelque chose. On peut mettre tous les moyens légaux, on peut mettre toutes les mesures, les lois. Si à un moment, vous, les consommateurs, vous ne sensibilisez pas, et comme vous savez faire avec les réseaux sociaux, avec votre inventivité, avec votre énergie, et en vous mobilisant en disant arrêtez, c'est ringard, c'est dangereux, et c'est inaudible aujourd'hui par les temps qui courent, on n'y arrivera pas. Les réseaux sociaux, ce n'est pas nous, les vieux croutons, qui les maîtrisons, c'est vous. Et je me mets vieux crouton à 48 ans dans les réseaux sociaux parce que je suis pas mal dépassé des fois. Et ben voilà, la réalité, elle est là. Ben prenez les choses en main. Bougez-vous et faites bouger cette contrefaçon qui est insupportable. Rien à ajouter. C'est vous la clé, effectivement. La contrefaçon existe parce qu'il y a des acheteurs. Et ben mobilisez-vous pour supprimer les acheteurs.
Mais justement, comment sensibiliser les consommateurs à cela? Je sais que l'Unifab agit beaucoup sur ce sujet. Tous les ans, vous avez une campagne dans le sud de la France qui est fortement médiatisée. Mais concrètement, déjà d'une, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette sensibilisation, elle est efficace? Est-ce que vous envoyez les résultats concrets? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Je réponds en premier, Delphine. Ouais. Je laisserai compléter. Comment faire? Eh bien déjà, Delphine, tout à l'heure, vous a montré des diapos avec des produits contrefaits qui ont changé parce qu'il n'y a pas beaucoup de produits de luxe, comme dans le commun des mortels. Eh bien, saisissez-vous de cela, communiquez là-dessus, montrez. Alors bon, effectivement, la fausse paire de baskets à talons aiguilles, ça fait sourire. Mais montrez le faux médicament. Montrez le tube de bétadine avec les conséquences, brûlure au troisième degré, intoxication. Montrez les faux médicaments. Voilà. Chaque produit qui est contrefait, quand on a été sur nos différentes rencontres lors du rapport, on nous a montré des faux timbres. Alors évidemment, on se dit, bon, c'est juste des faux timbres. Bon, c'est juste économique. On a montré des fausses poupées. Ah, bah oui, mais les fausses poupées, bah, c'est. La tête, elle s'en va et elle est ingurgitée par l'enfant. Donc, étouffement, possibilité de décès quand même. Montrez tout cela. Montrez les fausses magnettes que les gamins vont avaler. Et là, c'est dangereux pour la santé. Montrez le faux t-shirt qui lorsqu'il va être mis, va avoir une réaction sur la peau avec des séquelles au niveau des inflammations. Montrez tout cela. Changeons le regard sur la contrefaçon. Et arrêtons de montrer que des produits de luxe. Et c'est vraiment, moi, c'est mon créneau. Et je sais qu'au début, il y a 2 ans et demi, certains qui s'occupent de la contrefaçon ne comprenaient pas pourquoi j'ai été là-dessus. Mais je pense qu'il faut vraiment changer le regard sur cette contrefaçon. Montrer tout ce qui est fait sur la contrefaçon. Et en changeant le regard, de dire, bah, ce n'est pas qu'économique. Et arriver à la fin à l'économie, évidemment. Mais changer le regard. Et vous, les réseaux sociaux, si vous montrez une contrefaçon en disant, bah, voilà. Tiens, vous montrez la fausse paire de baskets et en dessous, vous montrez le gamin qui l'a fabriqué, qui a 12 ans, qui est en Inde ou qui est en Asie. Je pense que ça va matcher dans ceux qui achètent en disant, ah ouais, merde, j'ai fait bosser un gamin de 12 ans. Alors qu'on fasse bosser un gamin de 15-16 ans dans ces pays-là, il y a un moment, il faut accepter voilà, la géopolitique et la géographie. Mais 11-12 ans, est-ce qu'on peut concevoir qu'on fait bosser un gamin de 11-12 ans? Non. Donc voilà, donc c'est utiliser les images. Et là, là-dessus, l'UNIFAB a toutes les ressources. Je peux vous dire que si vous allez au musée de la contrefaçon, vous allez en prendre plein la tête et plein les images. Mais il suffit d'utiliser toutes ces images, de ces photographies de contrefaçon saisies, faites et qui sont dangereuses pour les raisons que je viens de vous évoquer. Et bien, communiquer, communiquer, communiquer. Il n'y a que comme ça qu'on y arrivera. Oui, et puis si je peux ajouter quelque chose, c'est vrai que nous menons des campagnes tous les ans au niveau du sud de la France, l'été, mais également à Paris et dans certaines grandes villes, grâce à JCDecaux qui nous met à disposition des panneaux d'affichage, notamment. Et puis on a commencé à communiquer depuis maintenant 3 ans au niveau digital, en partenariat d'ailleurs avec des grands acteurs du monde digital, hein, Google, par exemple, nous a mis à disposition des espaces. Et puis, nous avons travaillé aussi avec des plateformes, Rakuten notamment, qui nous a permis aussi d'avoir des jetons et des espaces publicitaires. C'est également le cas de Facebook. Voilà, qui nous donne des liens sponsorisés pour promouvoir la lutte anti-contrefaçon chaque année. Donc oui, il y a effectivement, on essaie d'aller chercher les consommateurs où ils sont, mais bon, je sais que sur Facebook, ce ne sont pas les jeunes qui y vont, hein. Très clairement, ils sont sur Snap ou sur Insta. Alors, on a depuis l'année dernière aussi une communication sur Instagram. Donc oui, on essaye de mener des campagnes de communication tous les ans. Ça a été le cas aussi au moment du Black Friday l'année dernière au mois de novembre. C'est des choses qu'il faut continuer à faire et il faut aussi continuer à parler du sujet dans des émissions grand public, à la télé, à la radio. Voilà. Il ne faut pas baisser la garde parce que quand on parle plus d'un sujet, on a l'impression que le problème est résolu.
Merci beaucoup. Alors, je crois qu'on n'a pas d'autres questions qui ont été posées, donc je vais pouvoir revenir à mes quelques questions. Dans la présentation de votre rapport, monsieur le député, vous indiquiez quelques chiffres et notamment la baisse des saisies douanières, qui était assez manifeste. La question que je me pose, c'est est-ce que les modifications apportées par le paquet Marc, la directive 2015-24-36, mais aussi le règlement 2017-1001, apportées en matière de transit, pourrait modifier en fait cette tendance à la baisse pour justement remonter les saisies douanières, parce qu'on sait que les saisies douanières ont baissé assez largement suite à la décision Nokia Philips de décembre 2011, que ça a été un vrai raz-de-marée, on l'a senti dès 2012. Et en fait, en matière de marque, le législateur européen s'est saisi de cette question et a modifié le paradigme, puisqu'aujourd'hui, le transit est sanctionné, sauf hypothèse où le produit, enfin le pays dans le pays de destination, le produit ne serait pas contrefaisant. Donc, est-ce que cette modification peut modifier les choses? Et est-ce qu'on est en droit d'attendre des modifications pour les autres droits de propriété intellectuelle, puisque là, en l'occurrence, il y a eu une modification qu'en matière de marque? Et vous avez 4 heures. À peu près. Waouh. J'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse. Non, mais, ou peut-être l'UNIFAB a déjà des chiffres. Est-ce que vous avez constaté une augmentation légère des saisies sur l'année 2020, tout simplement, quoi? Non, en fait, l'augmentation des saisies, c'est dû à des produits anti-pandémie, en fait. Je pense pas qu'on puisse attribuer cette augmentation à ce phénomène. Il faut, alors peut-être que dans les années à venir, on pourra quantifier cela, mais pour le moment, on n'arrive pas du tout à quantifier. Je pense qu'on a une année qui a perturbé toutes les valeurs. Et ce n'est pas une année test. Et ça ne doit pas être une année référence. Parce que tous les échanges ont été complètement perturbés. Il n'y a pas eu d'échanges commerciaux comme d'habitude. On a eu des contrefaçons, même de masques, vous voyez, de blouses, sur chaussettes. Je suis incapable de répondre à votre question aujourd'hui. Je suis incapable. Je vous le dis. Je ne vais pas vous faire du politiquement correct en vous inventant une réponse qui n'aura rien à... Je suis incapable de répondre à votre question. Alors, j'en ai une autre. J'en ai une autre et ça fait partie de vos propositions, puisqu'il est vrai qu'on pointe souvent du doigt l'évaluation des dommages et intérêts. Finalement, il serait pas trop risqué de faire de la contrefaçon, vous l'avez déjà évoqué. Alors, au-delà de la question et de la réponse pénale, plutôt, justement, quelles modifications pourrait-on apporter s'agissant de l'évaluation des dommages et intérêts afin de rendre la contrefaçon mieux sanctionnée et surtout de faire peur, en quelque sorte, afin que ce soit un peu plus dissuasif? Alors, il y a plusieurs pistes là-dessus. Là, je peux vous répondre, par contre. Déjà, moi, je milite pour comme c'est la saisie des avoirs criminels. C'est-à-dire, quiconque s'est enrichi grâce à la contrefaçon, ben, on doit saisir tout ce avec quoi il s'est enrichi. Comme pour la drogue. Donc, ça, il y aurait une évolution très pertinente là-dessus. Ça veut dire, quelqu'un qui s'enrichit grâce à la contrefaçon, on lui saisit tout ce qui a été haché grâce à la contrefaçon, même si ça a 5, 6, 10 ans. Voilà. Ce serait un grand marqueur déjà, hein, parce que ça change une vie quand on reprend tout quoi, à l'issue d'un commerce. Il y a évidemment alourdir l'amende, mais comme le disait justement Delphine, et après il faut que les magistrats suivent et que les sanctions soient données. Voilà. Moi, je crois plus à la saisie complète de tous les matériels qui ont été financés grâce à l'achat de contrefaçon, parce que ça, ce n'est pas vraiment le magistrat qui décide. Et ça peut être beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide. Et j'y crois véritablement beaucoup plus. Après aussi, il y a la sanction du consommateur, de l'acheteur. Et au même titre que certaines amendes qui sont créées, je pense qu'on pourrait créer une amende forfaitaire pour tout détenteur de contrefaçon et pas obligatoirement d'acheteur. Il y a l'acheteur, il y a le détenteur. Bon, ben, si on considère qu'une contrefaçon finance de la criminalité, il n'y a pas de raison que de ne pas sanctionner toutes celles et ceux qui le détiennent et pas obligatoirement l'achètent. Vous voyez, il y a une nuance. Sanctionner l'acheteur, ça fait partie quand même des principes, des propositions,
mais on pourra aller au-delà, sanctionner aussi le détenteur. Et après, on aura le problème, du coup, de celles et ceux qui diront, mais je ne savais pas. Ou c'était un cadeau. On m'a offert un cadeau. Ah ben, le salaud, il m'avait promis que c'était un vrai. Là, il y aura une vraie question, parce qu'il y aura beaucoup de jurisprudence, du coup, si on devait en arriver là. Mais avant d'en arriver là, il faut qu'on retrouve un cadre européen. Et on n'y est pas. Donc, pour moi, la solution, c'est d'abord de sensibiliser les acheteurs pour qu'ils n'achètent plus de contrefaçon. Parce que le volet pénal répressif et de la sanction, on pourra toucher les gros trafiquants, parce qu'il y aura eu des enquêtes de fait, et ça fait partie des propositions que l'on a faites. Mais la consommation ne peut être stoppée que simplement si les acheteurs se disent « Non, il faut arrêter d'acheter de la contrefaçon. » Parce que ce n'est pas bon, ce n'est pas bien. C'est une drogue, c'est tout, il n'y a pas d'autre mot. Il y a celles et ceux qui vont continuer à se droguer à la contrefaçon, il faudra qu'ils soient sanctionnés, et celles et ceux qui veulent se détourneront, il faudra les accompagner pour qu'ils se détournent véritablement de la contrefaçon. Merci beaucoup. Delphine, vous souhaitez ajouter quelque chose sur cette question-là, non ? Non, je suis complètement en phase à ce qu'a dit... Et Blanchet, hein. Donc il n'y a rien à ajouter de particulier, absolument pas. Alors, j'ai une autre question qui peut répondre, enfin qui rebondit un petit peu aussi sur ce qui a été évoqué s'agissant des douanes, mais on s'éloigne des douanes pour revenir vraiment dans la propriété intellectuelle. Il y a 15 ans de cela, était dans les tuyaux une directive droit pénal de la contrefaçon qui faisait suite à la directive Enforcement, la directive IPRED de 2004. Cette directive, elle est tombée à l'eau pour une raison assez simple, c'est que le droit pénal, ça relève de la souveraineté des États membres. Est-ce qu'on pourrait envisager de pousser pour justement faire renaître de ses cendres, ou en tout cas sous un autre apparat, cette directive droit pénal, puisque les réponses droit pénal divergent d'un État membre à un autre, et peut-être qu'une harmonisation serait quand même intéressante aussi sur ce point. Vas-y Delphine. Alors, moi j'ai envie de vous répondre, traitons déjà le DSA, c'est déjà tellement compliqué avec quand même une voix royale, on n'y arrive pas et on a du mal, alors que tout le monde est d'accord pour dire que notre législation européenne elle est complètement obsolète et que l'internet a complètement changé, qu'il faut absolument adapter, etc. Et déjà on voit les luttes de pouvoir entre pays, entre intérêts, etc. Traitons déjà ce dossier jusqu'à la fin et essayons de transposer assez rapidement avant de se lancer dans une nouvelle réforme. Effectivement, le droit national est souverain en droit pénal, donc on s'attaquerait à vraiment un gros morceau, et je pense que ce serait sur du long terme, parce qu'il va falloir user d'arguments, d'influence qui devra venir de toutes parts pour y arriver. Il faut comprendre qu'on part de loin quand même. Et aujourd'hui, plutôt que de se dire comment on lutte mieux dans la procédure pénale ou autre, pour réussir à faire ça, il faut qu'on ait réussi à mettre la contrefaçon comme une priorité de lutte, comme priorité d'action. Ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Donc, quand on entame une bataille, il faut avoir une stratégie de combat. Vous proposez là, ce sera la finalité. Moi, mon boulot aujourd'hui, c'est que la contrefaçon soit dans la ligne de mire de ce combat. Quand ce sera acté, alors les moyens à mettre en œuvre, alors on pourra en les évoquer. Vous évoquez la directive 2004, franchement, je suis beaucoup moins spécialiste que vous sur tout ça, celle-là, je ne la connais pas non plus. Moi, je suis parti sur des sujets pendant 2 ans et demi, sur des actes moins judiciaires que vous connaissez avec votre expertise et votre connaissance, évidemment. Moi, le but aujourd'hui, c'est de faire en sorte que la contrefaçon soit considérée comme un objet de telle ampleur que ça devrait être une priorité du gouvernement français avec un lien interministériel et une priorité européenne pour protéger son marché et les consommateurs. Si déjà politiquement on acte les choses là-dessus, le reste coulera de source. Si ce n'est pas acté politiquement, on peut inventer tout ce que l'on veut, toutes les procédures, toutes les conséquences pénales ou autres. Franchement, ça n'a pas changé grand-chose dans le temps.
et on sera champion du monde. Merci beaucoup. Alors justement, vous avez évoqué la directive DSA. Comment s'articulent les propositions, vos propositions, monsieur le député, par rapport à cette directive DSA? On appelle ça faire du lobbying positif auprès de celles et ceux qui vont décider au final, en expliquant, en rappelant, en demandant à chacun et chacune concerné, et notamment aux grands groupes français, à notre ADN français, à nos savoir-faire français, de mouiller le maillot aussi en écrivant en direct. Ce sont des stratégies, on va dire, d'attaque positive pour sensibiliser celles et ceux qui vont décider au final. Et je crois à la multitude de celles et ceux qui sensibilisent pour réussir à convaincre celui qui décidera au final de prendre ou pas le sujet. Et c'est ça, la finalité. Et c'est bien établi avec tous les partenaires qui luttent contre la contrefaçon. Aujourd'hui, moi, à mon niveau, je ne peux plus faire que cela. Parce que j'ai produit mon rapport, je l'ai présenté, il a été validé. J'ai interrogé tous les ministères, sensibilisés jusqu'au président de la République. Le dernier acte que je pourrais faire, ce sera évidemment une proposition de loi qui, on peut dire, est déjà écrite et dont je me réserve le dépôt avant juin si rien n'est fait. Merci, merci beaucoup. Delphine, vous souhaitez… Non, moi, je voulais vous dire qu'on se joignait à toutes les démarches qui ont été entreprises par le député Blanchet depuis le mois de décembre dernier. On a fait aussi le tour des ministres, des ministères, des cabinets. On a même vu la représentation permanente à Bruxelles. Je pense qu'en fait, il faut au maximum pousser pour qu'il y ait une vraie prise de conscience de l'exécutif pour avoir une loi anti-contrefaçon qui nous permette de faire évoluer la lutte contre ce fléau. Et puis après, si la France va un peu plus vite que l'Europe, eh ben on sera le bon exemple, encore une fois, et il faudra plutôt s'en réjouir. Moi, je suis très favorable à ce que la France puisse responsabiliser les intermédiaires peut-être plus rapidement que l'Europe le décidera. Et puis, de toute façon, à la fin, on finira par être en phase. Quand on voit la position du cabinet, de Cédric O, même directement, qui est totalement convaincu de notre position pour soutenir les entreprises en France, c'est très, très encourageant. Merci beaucoup. Alors, il y a une autre question qui a été posée par les participants. Est-ce que vous avez des informations à nous partager concernant la contrefaçon des vaccins contre la COVID? À part les cas saisis là récemment, mais notamment en Chine, moi, j'ai pas entendu qu'il y en ait eu en France. Il n'y en a pas eu parce qu'il y a eu un excellent boulot des services de l'État et des douaniers. Et une grosse veille, et là, on doit les féliciter parce que ces marchés-là n'ont pas atteint le marché français en l'occurrence. Parce que l'État et les douaniers, je répète, font un énorme boulot. Mais il faut bien avoir conscience que le vaccin contrefait existait même avant que le vaccin soit trouvé. Il faut juste en avoir conscience. Voilà, c'est ça un marché de contrefacteurs. C'est inventer le produit qui n'existe pas encore, mais qui va exister prochainement. Et bien, évidemment, on va retrouver, je pense très rapidement, des produits sur les réseaux sociaux, sur des plateformes de vaccins contrefaits, tout comme on commence à trouver des produits de contrefaits, de tests salivaires et autres. Ça commence à arriver. Bien, aujourd'hui, il n'y en a pas officiellement qui peuvent être vendus à titre individuel. Donc, il faut être vigilant. Et là, il y a une question de santé publique avérée. Voilà. Donc, aujourd'hui, grâce au professionnalisme des serviteurs de l'État, nous ne subissons pas de contrefaçon sur le marché français de faux vaccins. Pour autant, ce n'est pas pour autant qu'ils n'existent pas.
Merci beaucoup. Alors, une autre question, si vous me permettez, dans votre rapport, vous évoquez aussi la place de l'INPI, justement dans la lutte contre la contrefaçon. Est-ce que vous pourriez en dire un tout petit peu plus à nos participants? Quel est le rôle que peut jouer l'INPI, dans la lutte contre la contrefaçon? Je laisse commencer, Delphine. Déjà, on a un signal très positif, c'est que l'INPI va se doter dans les mois à venir d'un observatoire de la contrefaçon. Et je pense que ça, c'est déjà un très bon signal, ce qui démontre une volonté politique de pouvoir quantifier la contrefaçon et donc d'acter. Ensuite, en fonction des chiffres qui émaneront de l'INPI. Et puis, l'INPI, il faut garder en tête que l'INPI ne peut pas être jugé partie non plus. Donc, il ne faut pas mettre cet institut dans ce cas de figure. Je pense qu'elle pourra faire un certain nombre de choses, observer, quantifier, donner des chiffres, donner des tendances, mais il sera compliqué pour elle d'aller sur de l'opérationnel. En revanche, il ne faut pas oublier que l'INPI héberge le Comité national anti-contrefaçon, qui est une entité un petit peu hybride, hein, parce que elle est présidée par un sénateur, elle n'a pas de budget de fonctionnement, elle n'a pas de règles de fonctionnement non plus très très claires. Elle fonctionne sur la bonne volonté des uns et des autres. Déjà, moi, en tant qu'UNIFAB, je trouverais normal qu'il y ait une coprésidence député-sénateur, de manière à ce que y ait une réponse, hein, que les sujets de contrefaçon soient suivis à l'Assemblée nationale et au Sénat. Ensuite, je crois que petit à petit, l'INPI va apprendre en marchant aussi sur ces sujets, hein. Je dois signaler quand même qu'on a aussi au Sénat quelqu'un qui est très investi sur la lutte contre la contrefaçon, qui est le sénateur Young, qui j'ai énormément travaillé, qui m'a aussi énormément appris depuis les 2 ans et demi, et qui est à l'origine de ce comité anti-contrefaçon aussi, et qui est un beau bébé qui ne manque qu'à grandir. Et être structuré encore mieux, mais qui est vraiment un bel objet. Et je pense pertinent. Pertinent. En plus, symboliquement, on fait des réunions quand même annuelles à Bercy, donc ça veut dire quelque chose. Et d'avoir tout le monde autour de la table, c'est l'essentiel. Par contre, effectivement, il faut que ça aille encore plus vite et plus efficacement. L'INPI, pour moi, ça a été aussi un partenaire dans ce rapport. De relations pour avoir des informations et avoir des propositions aussi, comme l'UNIFAB l'a été. Donc, voilà, je ne vais pas en dire beaucoup plus, parce qu'après, ça serait hors cadre législatif, et je ne veux pas m'aventurer là-dessus. Je considère que les parlementaires, ils doivent travailler avec toutes celles et ceux qui s'investissent pour le même combat. Merci beaucoup. Alors, peut-être une avant-dernière question. Ce serait pour revenir sur l'anecdote que vous avez évoquée tout à l'heure dans le cadre de votre présentation. Vous avez évoqué lors des auditions avoir rencontré donc des responsables de plateforme où ils évoquaient donc un certain nombre de process afin de lutter contre la contrefaçon. Et vous avez pointé du doigt l'efficacité relative. Donc, est-ce qu'il est possible d'en dire un peu plus, hein, puisque vous nous avez dit qu'on reviendrait peut-être dessus. Donc, je vous tends la perche. On peut. On va pas balancer, hein, on n'est pas là pour ça. Mais typiquement, une grande plateforme un petit peu connue, mais je ne citerai pas le nom, ça commence par A. Et finit par Amazon. Ah non, je ne cite pas, surtout pas, Non. il faut pas citer, excusez-moi, moi je ne suis pas là pour polémiquer, mais ça commence par A, c'est la première de l'alphabet, hein, c'est juste ça. Et qui nous dit volontairement tous les moyens qu'ils mettent en œuvre, financiers et humains, et ça a été très drôle la réaction de la personne qui était en face, qui est autre que notre camarade Delphine Servati, et je vais laisser citer ce qu'elle a dit parce que la parole lui appartient. Non, mais en fait, ils nous ont dit qu'ils mettaient 500 millions d'euros par an sur la table pour lutter contre la contrefaçon. Donc, je leur ai répondu de manière
spontané. Mais c'est vrai que maintenant, ça nous fait rire. Je dis, soit vous êtes vraiment très, très mauvais, soit vous mentez, enfin, soit vous vous moquez de nous. Parce que ce n'est pas possible qu'en mettant autant d'argent sur la table pour lutter contre un fléau, surtout qu'ils ont toutes les capacités techniques, en fait. Si eux ne les ont pas, personne ne les a. Voilà. Donc, j'ai effectivement répondu de manière un peu spontanée. Soit vous êtes très nul, mais avec 500 millions d'euros, vous me les donnez, je ferai beaucoup mieux. Voilà, voilà. Bon. C'est possible que c'est pris cette forme-là. Voilà. Bon, bah, dans une audition, je peux vous dire que c'est assez. Ça change. Ça change, mais ça voulait dire ce que ça voulait dire. Que certains, peut-être, veulent bien faire, mais font très, très mal et dépensent beaucoup d'argent à faire très mal. Donc, moi, je crois à la sincérité de chacun et chacune. Mais on a eu d'autres plateformes, et pour ne pas les citer non plus, il y en a une qui commence par E et l'autre qui commence par R, et vous l'avez cité précédemment. Voilà. Qui nous ont montré ce qu'ils faisaient et de manière très efficace et avec beaucoup de moyens inférieurs. Donc, des fois, il faut, moi, je serai à la place des plateformes qui mettent des millions d'euros, je serai le directeur financier, je regarderai si l'efficacité est optimum parce que ça fait beaucoup de pertes de chiffre d'affaires de l'entreprise s'il y a autant d'argent dépensé avec aussi peu d'efficacité. Donc, je serai le directeur financier ou le directeur de l'entreprise, je m'interrogerai sur la pertinence des équipes qui sont missionnées pour cela, parce qu'il y a une réelle inefficacité dans ce sens-là. En fait, ils sont très, très bons en communication parce qu'en recherchant et en recoupant un certain nombre de leurs interventions, je m'étais aperçue que ce chiffre correspondait à ce qu'ils mettaient sur la table pour lutter contre tous les trafics illicites. Voilà. Et donc, et pas du tout uniquement contre la contrefaçon. Mais le chiffre n'était pas faux, mais il a été induit de manière malheureuse pensant qu'on allait écouter sans réaction, ce qui n'a pas été le cas pour moi, en tout cas. Et pour le parlementaire non plus. Effectivement. Ça, je m'en doutais pas. Et donc, de ce fait, pour la représentation nationale. Merci beaucoup. Alors, j'ai une dernière question qui concerne peut-être le CEPI. Et là, ça me permet de rebondir sur votre avant-dernière intervention sur la place des personnes qui souhaitent s'investir. Concrètement, le CEPI, en tant que centre de formation, mais aussi en tant que laboratoire de recherche, puisqu'on fait aussi de la recherche, est-ce qu'on aurait un rôle à jouer? Est-ce que vous seriez en attente éventuellement de quelque chose de la part du CEPI? Et bon, à titre personnel, moi, j'avais été auditionné par la Cour des comptes pour le rapport de mars 2020. J'avais été auditionné en mars justement 2019. Mais est-ce que le CEPI, en tant qu'institut de formation et de recherche, pourrait avoir un rôle à jouer? Et si oui, lequel? Delphine? Je pense que de toute façon, oui, dans la mesure où la formation, on pourrait envisager des formations conjointes, des formations de magistrats, par exemple, ou des sessions de sensibilisation, parce qu'on m'a dit qu'avec les magistrats, il ne fallait pas utiliser le mot formation, des sessions de sensibilisation, par exemple, on pourrait envisager ça. Je crois que ce serait vraiment extrêmement intéressant et ça permettrait très vite de pouvoir mettre en relation nos savoirs de manière à leur apporter non seulement des notions juridiques en matière de propriété intellectuelle, mais aussi des exemples très concrets d'entreprises. Donc, moi, c'est vers ça que je me dirigerai dans un premier temps. Mais je pense qu'il y a d'autres sujets sur lesquels vous pourriez éventuellement avoir un rôle. Alors, moi, je ne vais pas vous dire que vous pouvez nous être utile en tant que législateur, parce que aujourd'hui, en plus, le rapport est terminé pour moi, donc ce ne serait pas possible. Mais si demain, ma proposition de loi arrive sur la table, vous pourriez très bien la promouvoir, nous donner des idées d'amendements ou autres avec votre expertise, et ça peut être intéressant. Ça, c'est la partie législateur qui me concerne, et je ne pense pas qu'aujourd'hui, je peux attendre beaucoup plus du CEPI, parce que de toute façon, les choses ont été faites avec le rapport présenté. Par contre, là où je crois que vous pouvez être encore plus utile, c'est sur la sensibilisation. La connaissance que vous avez, la propriété intellectuelle à travers votre école et toutes celles et ceux qui en font partie, vous êtes les meilleurs communicants possibles pour diffuser de manière très largement les messages, donc les relais. Deux,
Je suis persuadé qu'avec votre connaissance, votre expertise, largement supérieure à la mienne, dans le domaine juridique, largement supérieure à la mienne, vous pourriez très bien être source, avec tous vos jeunes, de propositions innovantes. De propositions innovantes. Et je répète le mot, propositions innovantes. Sur des retours d'expérience que l'INPI, l'UNIFAP pourraient vous donner. Des retours d'expérience de saisie, de procédures, de choses retrouvées. Et je suis certain que parmi vos étudiants ou le corps enseignant, il y aura une idée ou deux, peut-être sur 100. Mais si cette idée ou ces deux idées permettent de faire avancer le Spielbeek, ben c'est gagnant pour tout le monde. J'ai la conviction que, d'une manière générale, les solutions viennent, quoi qu'il arrive, des jeunes. Parce que c'est les nouveaux modes de consommation qui arrivent et c'est les jeunes qui vont inventer les solutions. Et c'est vous. Même si je ne vous vois pas, je sais que vous êtes 48 à regarder, vous avez les solutions à nous proposer et à vous proposer dans cette consommation sur la contrefaçon. Et donc, que la communication soit faite de la part, par exemple, de l'UNIFAB sur des produits saisis pour que vous innoviez en disant ben, « et si on faisait ça ?» pour mieux matcher le consommateur, pour mieux informer le législateur, pour mieux demander une sanction. La solution, c'est vous qui l'avez. Nous, nous sommes que celles et ceux qui permettront de mettre en œuvre les solutions que vous aurez et que vous trouverez et l'innovation que vous nous proposerez. Donc, je crois réellement que votre institution peut être bénéfique à la lutte contre la contrefaçon et pas que simplement d'un point de vue juridique. C'est essentiel, mais de tout ce volet innovant. Et en plus, dans l'avenir, dans le recrutement que celles et ceux qui nous regardent auront demain à avoir dans les entreprises, avoir cette vision novatrice, eh bien, ça peut donner quelques idées sur des lignes de CV qui peuvent être très intéressantes. Merci beaucoup. Écoutez, j'en prends bonne note. C'est évidemment très stimulant pour l'avenir de nos étudiants et l'avenir du CEPI. Écoutez, il est 19h55, on arrive bientôt au terme de ces 2 heures de séminaire. Nous n'avons pas d'autres questions. Permettez-moi une dernière fois de vous remercier chaleureusement pour votre temps. Je sais qu'il est précieux. Permettez-moi également de vous remercier pour ces présentations et surtout ces retours d'expérience, vos réponses très transparentes à vos questions. Je pense que c'était extrêmement enrichissant pour nos participants. Donc vraiment un immense merci. Et je tiens vraiment à vous remercier, monsieur le député Blanchet, parce que je vous ai sollicité, je pense qu'il faut quand même le dire pour montrer à quel point vous avez fait preuve de proximité. Je vous ai sollicité en direct sur Twitter, en message privé, et vous m'avez répondu dans l'heure. Donc, je tenais vraiment à vous remercier pour cette proximité et pour avoir permis l'organisation de ce séminaire en moins de 3 semaines. Pour une fois que j'arrive à répondre dans l'heure, je suis content. Bon, écoutez, je suis un privilégié. Alors, donc, non, vraiment un grand, grand merci. Merci, monsieur le député. Merci, madame la directrice générale de l'UNIFAB. Je pense que le sujet, de toute façon, de la contrefaçon n'est pas épuisé. On l'a bien compris. On va suivre votre proposition de loi de près, avec attention. Et puis, on attend avec impatience la PFUE, donc au 1er janvier 2022. Voilà. Merci beaucoup. À très bientôt donc, pour nos participants. Et je vous donne rendez-vous le 26 avril pour notre conférence Pays et Pop Culture. Et puis, notre prochain séminaire organisé en soirée sera organisé avec le directeur général de l'OAPI qui reviendra justement sur la contrefaçon dans l'accord de Bangui. Merci à toutes et à tous. Excellente soirée. À très bientôt. À très bientôt. Merci. Bonne soirée à toutes et à tous.